toward God calls. Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. L'incarnation, c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona. Et pas personne. Dans la philosophie, personne, c'est l'être. Persona, c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona, c'est comme un individu théâtral. Cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale et les gens qui sont solides pour nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Elisa mwinda katina molili pela mwinda Elisa mwinda katina masu pela mwinda o perisa perisa o perisa Perisa, Perisa, oh, 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 Perisa, Perisa. Il est Dieu des cieux, vous bénisse. Si Père Tanda l'obéissance, Père Tanda vous a dit que Dieu vous bénisse et vous n'avez pas crié, vous n'avez pas accepté. Bongo la tongo boye, la pesiombote, katina kombo, na Yesu Christo, amen. Ce matin, je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Pe miluna libala. Et la cérémonie nuptiale. Le pasteur, notre pasteur va devoir faire toutes ces cérémonies. Bongo tongi tombe l'ensemble. Nous voulons louer Dieu. Wana mon pasteur nabiso. Alors que notre pasteur. Pasteur nabiso. Notre pasteur. Mokolo lingomba. Le responsable de cette église. Cette chair lui appartient. Amen. Amen. Êtes-vous content d'écouter la parole ce matin? Oh, autant dans les sémos. Rempli de joie. Pendant que le pasteur va apporter la parole, vous aurez la réponse à votre problème. Précieux qu'on entende les cantiques. Pendant que le serviteur de Dieu, notre pasteur, s'apprête pour venir nous apporter la parole de Dieu. Devient possible, oh, l'impossible devient possible. Si seulement tu crois, tout est la parole de Dieu. Si seulement tu crois, tout est les promesses de l'air. Et si la parole s'est faite chair en toi, le message de l'air, si c'est fait chair en toi, l'impossible devient possible pour toi. Devient possible pour toi.
épreuve par son Dieu, par son Créateur. Et quand il voulait égorger Isaac, l'Éternel a pourvu d'un agneau. Jéhovah Jireh a pourvu d'un holocauste, un bélier détenu par les cornes dans un endroit tellement impossible. Là sur la montagne, après 3 jours de marche, là dans le désert, un bélier est apparu. Oh, l'impossible était devenu possible pour Abraham. Jéhovah Jireh, l'impossible devient possible. Oh, l'impossible devient possible. Si seulement tu crois toute la parole de Dieu, si seulement tu crois toutes les promesses de l'heure, et si la parole se fait chair en toi, le message de l'heure, si se fait chair en toi, l'impossible devient possible pour toi. William Branham et les prophètes dit tant d'histoire. H.A.M., notre père de la foi, alors qu'il était à la chasse aux écureuils, il a chassé, il n'a rien trouvé. Il a chassé, il n'a rien attrapé. Et la voix lui dit, parle seulement. Quand il a parlé, les écureuils à Paris, l'un là-bas, paf! Un autre là-bas, paf! Un troisième, paf! Oh, l'impossible était devenu possible pour Branham. Attire Itaki, l'impossible devient possible. Les fils sont sauvés, l'impossible devient possible. Oh, si seulement tu crois toute la parole de Dieu. Seulement tu crois toutes les promesses de l'heure. Et si la parole se fait chair en toi, le message de l'heure, si se fait chair en toi, l'impossible devient possible pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chacun. Nzambe a pambola bino. Moko na moko. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Na pesi bino banso mbote na kombo na Yesu Christu. Que tous ceux qui sont venus soient bénis. Bay banso bayaki ba pambola ma. Ceux qui sont venus pour le mariage. Bay bayaki po na libala. Et ceux qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. Pe bay bayaki po na koyoka liloba na Nzambe. Et que tout le monde soit béni au nom de Jésus-Christ. Banso ba pambola ma na kombo na Yesu Christu. Amen. Je salue vraiment les serviteurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous nous excusons, vous devriez passer devant l'église. Je crois que vous allez passer. Nous voulons quand même nous empresser pour la parole de Dieu. Nous voulons lire dans Marc chapitre 11, verset 22 jusqu'à 26. Tolingito tanga kati na Malako, zomi na moko, tokumbale na mbale, tokosuka na tokumbale na motoba. Nous voulons terminer notre leçon. Tolingito sukisa koyekola na biso, lilakisi na biso. C'est la foi parfaite. Likolo na kondima oye bongi be. Alors nous voulons commencer à partir du verset 22. Lisons. Je vais commencer au verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Petelo, wane kanisa kie makambo malekana ki, alobina Yesu boye. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Labuni, talanzete na mosuke yo lakela ki mabe e kauki. Jésus prit la parole et leur dit: Yesu, akamata ki maloba pe alobaki na bango. Ayez foi en Dieu.
bozalana kondima epai na nzambe. Je vous le dis en vérité, na lobina bino solo, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, soki mutu moko alobina ngomba oyo bima awa kende komi bwaka na ebale, et si ne doute pas en son cœur, pe soki atietembe na motema na yete, mais crois que ce qu'il dit arrive, pe nzo kasi andimiete makambo malobi ye. Et s'il y a, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, bokosenga katina mabondeli, croyez que vous la verrez sûr. Bondi maete, bosibosui yango. Et vous le verrez s'accomplir. Pebino bokomona, oyo bosenga ki koko kisama. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, na bongo tango telemi yo, ozali ko bondela. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, soki ozali ne loko moko kotemela moto mosusu, pardonnez. Yo limbisa. Afin que votre Père qui est dans les cieux, natina ete tatana bino, oyo ozali na likolo, vous pardonne aussi vos offenses. Alimbisape yo mibunga na yo. Mais si vous ne pardonnez pas, kasi soki yo olimbisakate, votre Père qui est dans les cieux, tatana yo oyazali na likolo, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Yepe akolimbisa yo te mabunga to bikweli na yo. Prions. Obondela. Dieu notre Père céleste, Nzambe tatana biso na likolo, j'abandonne cette assemblée entre tes mains. Koyanga na mobimba oyo na maboko na yo. Et moi-même. Elongo na ngai moko. Mon interprète. Na molimboli na ngai. Tous. Bans. Nous venons sous le sang de l'agneau. Toye na sena makila ya mwana na pate. Afin que tu nous regardes. Na tinete yo otala biso. Sous le sang. Na sena makila. Et que toi tu tires gloire et louange de cette réunion. Pe yo uta na lianga ni liye ozwa nkembo pe lokumu. Que tu prennes ta parole, Seigneur. Okamata maloba na yonkolo. Que tu l'enfonces au tréfond de nos cœurs. Ozindisa yango na bojindo ya mitema na biso. Pour ta gloire. Pona nkembo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Oki kofanda balinga minangai. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Bisusu na pesi binombote na kombo na Yesu Christo. Nous avions commencé à parler de la foi. Tumandaki ko solo la likolo na kondima. Un autre genre de foi. Lolenge mosusu ya kondima. La foi parfaite. Kondima oyebongi be. Nous avons dit. Tolobaki boye. Pour avoir la foi suffisante pour cette terre ici. Pona kozwa kondima oye ekoki pona tango oyo. Vous devez regarder uniquement à la parole de Dieu. Esengeli yo tale la bobele liloba na nzambe. Parce que tout ce que Dieu nous donne. Poete manso oyo nzambe azali kopesa biso. En tant que ses enfants croyants. Biso lokola bana na ye bandimi. Tout vient de la foi. Nyonso e utinde na kondima. Et si vous n'avez pas la foi, peso ki yo zangi kondima, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Oko sepelisa nzambe soko mokete. La Bible dit, Biblia lobi, sans la foi, ko zanga kondima, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Oko sepelisa nzambe atamba la mokote. La Bible dit, il sera impossible de lui être agréable. Biblia lobi ete et koko ka soko mokete ete o sepelisa nzambe. Et la foi, pe kondima, c'est une réalité. Ezalinde loko ya solo. Et la foi, pe kondima, dans Hébreux 11 les écritures disent, katina baebele zomi na moko makomi malobi boye, la foi kondima est une ferme assurance. Ezalinde ndanga to kondimisama oye koninga na te des choses qu'on espère. Ya makambo maye tozali kolikia, c'est-à-dire des choses invisibles, des choses qui ne sont jamais montées à l'esprit de l'homme, des choses que les yeux n'ont jamais vues. Makambo oyo miso ya batu emona nanu te. Vous n'y avez jamais pensé. Yo atana makanisi na yo obanza nanu atali kolo na makambi yango te. Mais kasi cela est une réalité. Nzokande yango ezali eloko oyo ezali solo. Amen. C'est ça la foi. Talande kondima yango wana. Voilà la foi. Tala kondima. La foi
kondima est une ferme assurance. C'est-à-dire une substance. C'est ça la foi. Et la foi kondima, c'est une révélation. Une révélation de la volonté de Dieu. Ezalinde moniseli ya mokano na nzambe. De ce que Dieu fait. Ya oyo nzambe azali ko sala. Et de ce que Dieu fera. Pe ya oyo emoniseli ya oyo nzambe akosala. C'est ça la foi. Tala kondimande yango. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bososoli yango nazali ko. Donc la foi. Ngikolo ba kondima. Ce n'est pas une imagination. Ezalite mabanzo ya mutu pamba te. Jamais. Bongo te. Si Dieu vous révèle qu'il va faire une certaine chose. Ce qui nzambe amonisi yo na nzela na emoniseli ta kosala eloko songolo pakala. Et vous n'allez pas bouger de là. Wana yo koninga na lisusu esika wana te. Jamais, parce que vous en avez eu la révélation. Atamba la mokote po ete oyo nzambe akosala yo zui emoniseli na yango. Vous en avez déjà eu la révélation. Aussi ozui emoniseli na yango. Et vous savez que ça se réalisera. Pe oyebi malamu ete oyo nzambe alobi wana akosala ekoko kisama. Même si tout le monde est contre. Atamu tunyo zwa tele meli yango. Mais quand Dieu l'a déjà dit. Kasi tango nzambe asia lobi yango. C'est que la chose arrivera. Elingi koloba likambo yo nzambe alobaki ekokoma. C'est ça la foi. Moi je peux douter. Toi tu peux douter. Toute l'église peut se mettre à douter. Mais quand Dieu vous en a donné la révélation, que cela aura réellement lieu, alors vous avez la foi. Comment vous savez que vous irez au ciel? Qu'il y aura un enlèvement. Comment saviez-vous que si vous mourrez, vous allez ressusciter? Comment ça? Il faut que la foi vienne. Et la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans le vide, à moins que vous soyez un imitateur. À moins que vous soyez un fanatique simple. Si vous êtes un croyant, c'est-à-dire vous avez cru en quelque chose. Jésus, notre Seigneur, il avait la foi parfaite. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qu'il était. Il avait la foi parfaite. Il connaissait sa mission. Et il connaissait la parole qui le concernait. Et il savait que sa vie est conforme à cette parole-là. Et il accomplissait cela. Il s'est tenu devant les pharisiens. Il leur dit, qui de vous peut m'accuser de péché? Qui de vous va m'accuser d'incrédulité? Montrez-moi si je ne fais pas les œuvres que mon père m'a dit de faire. Je suis en train d'accomplir chaque écriture. C'est pourquoi lui, Jésus, tout ce qu'il disait, il savait que cela va s'accomplir. Parce qu'il connaissait ce qu'il était. Et il connaissait sa position. Il connaissait sa place. Si une personne ne connaît pas ce qu'elle est, et cette personne vit dans les ténèbres, est-il païen?
Azalinde mo pagano. Est-il chrétien? Azalinde mo Christo. On ne sait pas l'identifier. Toyebi koso solaye malamute. Alors, c'est une personne qui ne peut jamais avoir la foi. Azali, lolenga mutuana akoki kozwa kondima atama. Et puis il ne connaît pas ce qu'il est. Lolenga mutuana yebite azalakanan. Et il ne se connaît pas lui-même. Mutuana amiebi ataye mo kote. Mais Jésus, kasi Yesu, il connaissait ce qu'il est. Azebaki oyo ye azali. Et il connaissait sa position. Pe ayebaki etele melona yeza. C'est pourquoi il avait la foi parfaite. Netina wana Yesu azalaki na kondimo yebongi. Combien comprennent ça maintenant? Si un chrétien a cet âge de la fin, il comprend ce qu'il est. Mais c'est terminé. Mais chaque prière sera exaucée. Si chaque soeur et chaque frère et chaque serviteur, il connaît ce qu'il est, mais chaque prière ici sera exaucée. Quand David est dans la guerre pour voir ses frères les rapporter la nourriture, mais il savait ce qu'il était. David ayebaki azalaki nan. Côté position, David connaissait sa position. David ayebaki atelemi wapi. Il était venu au monde par élection. David abotamaki na nzela na koponama. Son père lui a donné la nourriture. Tata na pesa ki bile. Et il est parti. Pe akei. Et il a donné la nourriture. Pe apesa ki bile. Quelque temps après, si mana mwa tangu, Goliath a commencé à injurier Israël. Abandi ko tuka mapinga na Israël. David a demandé à son grand frère. David a tuni yaya na ye mobali. Qui est ce Philistin? Mo Philistin yawa na zali nan. Qui injurie l'armée du Dieu vivant? Oya zali ko tuka mampinga ya nzambe na nkembo. Son grand frère lui dit, toi, yaya na ye mobali alobi yo, je connais ton orgueil, na ye bakalo lendo na yo, je sais que tu n'es pas venu déposer la nourriture, na ye bi na nzela lo lendo na yo, na ye bi eto ye kotika bilei te, mais tu es venu voir la guerre. Oya kinde otala ndenge nini etumbe ko bundana. David a dit, resté là-bas. David alobi il a trouvé que c'est impéreux. A mon yete moto ya somo somo wa na tika la kuna. Il est allé demander à un autre. Il lui dit, si quelqu'un tue ce type-là, celui-là lui dit, le tuer? Il dit, oui, je peux le tuer. David a lobi solo, nakoki kobomaye. C'était dur. Hein? Et cet homme-là, il est allé dire ça à Saul. On appelait David. Babengi David. David dit, de, Saul lui dit, de qui es-tu fils? Saul motuna ya liboso alobi ozalaka mwana ya nani? Il dit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Alobi nazali mwana ya mosali na yo Isaïe. On me dit que toi tu peux affronter ces géants là. Bon, ba uti lo bananga ete yo lo bieto kokiko bundana ne ngambe wana. Il dit oui. David alobi yo. Je peux l'affronter. Na kokiko ndongwana na ye. Saul lui dit, Saul a lobi na ye, tu n'es qu'un jeune homme. Yo, ozalika kelenge mobali. Mais cet homme-là, kasi mobali wana, il c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ye abotami nde na bitumba uta bolenge na ye azande moto ya bitumba. Il a massacré les armées. Ye abotami tué pinga asili sa bande sa taille. Tala nano molai na ye. Et regardez sa grandeur. Tala na et regardez son armure. Tala na no et regardez son bouclier. Tala nguba na endengeza. Et toi, tu n'es qu'un jeune homme. Yo, osaka kelenge bukeboy. David lui dit, David alobi na ye. Toi, mokonzi. Ne regarde pas sa taille. Otala molai na yete. Moi que tu vois ici. Mokonzi ngayo yo moniawa. J'étais dans la forêt. Ngai nazalaki na zamba en train de garder les brebis de mon père. Nazali ko bate la bibwele ya papa na ngai. Un ours est venu. Mokolo moko ngombolo moko aye. Il a arraché une brebis. Akanga ki pate moko. J'ai sauté sur lui. Ngana pumbweli ngombolo. Je l'ai tué. Pena bomi ngombolo. Le roi dit, c'est vrai. Mokonzi alobi solo à ton âge.
Il dit pas seulement ça, roi. Alobite, kaka wanate. Il y a un lieu venu. Alobin, Kosimoko, Ayaki. Il a arraché une brebis. Kosiwana akangi pate moko. J'ai sauté sur lui. Ngana pumbweli kos. Roi. Mokonzi yoka. Je l'ai déchiré par la guerre. Ngai na kamati monoko na ye na pasoli angomba la mibale. Il lui a dit, ce n'est pas possible. Mokonzi alobi eko kate. Roi. Mokonzi. Le Dieu qui m'a sauvé là-bas. Oyo nzambe abikisa kanga kuna. Me sauvera aussi. Akobikisa penga yawa. Alléluia. Il connaissait ce qu'il était. David ayebaki oyo ye azalaki. Il connaissait sa position. David ayebaki teleminga bonini. Et il connaissait il marche avec qui. Ayebaki pe ye nanani nde bazali kotambola. Il avait déjà eu l'huile d'onction. David ayebaki tasia zwaki mafuta ya epakweli. Le prophète dit, David savait. David ayebaki il ne peut pas mourir. Et ta kogi kokufa soko mokete sans s'asseoir sur le trône. Liboso ete afanda na mbende ya bokonzi. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction du prophète. Ezali poete azalaki na mafuta ya kopakola maya mosako lilikolo na ye. Alléluia. Si l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui, ce qu'il est là, moi si na libala ya Jésus-Christ, c'est qu'elle est sous l'onction du message du temps de la fin. Ce qui a yé bien azali na se na epakweli ya tsango malamu ya tango na suka. Elle tiendra ferme devant n'importe quoi. Moi si na libala na Jésus-Christ a côté le mangui ata mo pepe nini yeye. Quel que soit l'obstacle. Ata quel que soit le danger, quel que soit l'opposition, si l'onction du message du temps de la fin sur vous, l'onction prophétique, qu'est-ce qui tiendra mon frère? Et rien. Si Dieu a déjà guéri le sida. Ce qui n'a non jamais servi si sida. Il a guéri le cancer. Ce qui n'a jamais servi que si cancer. Il a résisté le mort. Ce qui n'a jamais servi si ma confie. Qu'est-ce qui va le résister? Et l'on dit que c'est quand elle me l'a dit sous. Ayez foi en Dieu. Zalana kondima katina nzambe. Ayez foi en Dieu. Ndima nzambe. David. David. Quand il est allé sur le champ de bataille. Quand il est allé sur le champ de bataille. Etumba. Goliath a essayé de le maudire. Goliath a meki kolakela ye mabe. Mais il connaissait ce qu'il était. Kasi David a yebaki azalaki nani. Il dit Goliath. David alobina Goliath. Aujourd'hui. Alobina ye lelo. Il n'avait pas de machette. David azalaki na mopanga te. Il dit aujourd'hui. David alobi lelo. Je te couperai. Nako kata yo. Je te tuerai. Nako boma yo. Je te couperai la tête. Nako kato mutu. Il dit alobi. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Alobi te. Nako pesa bibembe yangambo na basoda ya ba Filistia. Aux auditions. Et pas ina bandeke na lolo. Et le monde entier. Pe mokili mobimba. Sora. Alléluia. Bakoyeba. Qui derrière a un Dieu. Et te Israele. Bazali na nzambe moko. David. David. Il avait la foi parfaite. Azala ki na kondimo ye bongi ben. Parce qu'il connaissait sa position. Poete David ayeba ki atele mingambo nini. Et il connaissait ce qu'il était. Pe David ayeba ki azala ki nani. Est-ce que vous comprenez cela? Boso soli yango. Alléluia. Vous devez connaître ce que vous êtes. Alors à ce moment-là, toutes les choses marcheront correctement. Je crois que j'ai dit quelque chose. Vous voyez Élie, le prophète. Laissez-moi lire ça dans le prophète. Je vais expliquer cela. Je lis au paragraphe 80. Écoutez le prophète. Il dit si vous aviez la foi parfaite,
Vous seriez comme le vieil Élie. Lorsqu'il marchait devant l'idole et disait, pourquoi n'appelez-vous pas un peu plus fort? Élie, en son temps, tout Israël Israël était plongé dans l'idolâtrie à cause de Jézabel. C'était grave à ce moment-là. Tout le monde à cause de Jézabel. Ils adoraient Baal. Moi si Jézabel elle avait amené les dieux de son père dans son mariage et elle avait séduit par sa beauté. Tout Israël. Israël elle avait un caractère de fer. Et les hommes, même les sacrificateurs, sont tombés sous l'idolâtrie. C'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les hommes, les adorateurs des femmes, les coureurs de jupons. Je crois que j'ai dit la vérité. C'est dur, mais j'ai dit la vérité. Et Élie le prophète, il connaissait ce qu'il était. Il est entré en Israël. Il était seul. Il n'était pas deux. Seul. Et tout Israël entouré. Israël mobimba bajingeli Élie. Il dit montons à la montagne de Carmel. Alobito matana ngomba ya Carmel. Allons donner un sacrifice à Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu. Nous allons l'adorer. Nous allons voir aujourd'hui. Si l'Éternel est Dieu, il répondra par le feu. Si c'est Baal qui est Dieu, il va répondre par le feu. Pourquoi? Élie le prophète, Élie il savait que notre Dieu est un feu dévorant. Ayeba qui est Nzambe oya biso azalaka moto ya kozikisa. Et tous les 400 prophètes de Baal, ils ont dit, cette proposition là est bonne. Tomoni ete likambo Élie alobi ete to sala ezali malam. Montons. Et ils sont montés. Bango ban sobamati. Élie leur dit, Élie alobina bango, donnez votre sacrifice le premier. Bino ndebo banda kopeso ya binombeka. Et ils ont commencé. Bango ba tona bala babandi. Ils ont donné leur sacrifice. Ba pesi mbeka na bango. Et ils ont crié. Pe babandi ko gang. Ils ont crié. Babandi ko gang. Ils ont crié. Babandi ko gang. Pas de réponse. Et ya ne ko uta. Élie leur dit, Élie alobina bango, peut-être votre Dieu dort. Tam susu nzambe na bino akoti nde kati na pongi. Il se repose un peu. Azo pe malembi. Appelez un peu plus fort. Peut-être il est parti quelque part. Ou bien il est occupé à certaines affaires. La Bible dit qu'ils se sont même fait des incisions. Biblia lobiete, bamizokisi zokisi ataba pota poete nzamba ya nola bango. Ils ont appelé. Et ils se moquaient d'eux. Parce qu'il connaissait où il se tenait. Il connaissait sa position. Et il connaissait.
Il connaissait ce qu'il était. Il connaissait qu'il était envoyé à Israël pour restaurer le tabernacle de Dieu. Restaurer l'autel. Il connaissait cela. Élie le prophète. Ils ont crié jusqu'au le soir. Et ils étaient fatigués. Si qu'on a pourquoi balem. Et il leur dit, Bongo Elia lobina Eli, maintenant c'est mon tour. Sikoyo, et comme ingala nanga ina bando yanga mosala. La Bible dit, Bible lobi. Il a pris 12 pieds. Alobie, Bible lobi takamata ki mabanga zomi na mibale. Selon les 12 tribus d'Israël. Enge bene na bamabota zomi na mibale ya Israël. Eli, Elia. Il a pris du bois. Akamati kon et il a mis là-bas. Acheli kolona mabanga na. Et on a coupé les sacrifices. Mbeka bakat kat 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 yango. On a mis sur le bois. Bacheli kolona koni. Et il leur dit. Bongo Elia lobina bango. Versez de l'eau. Bozwa bam katini ya mai boso palikolo. Ça paraissait bizarre. Lolenge ya kosala wana emonana kindenge. On va verser de l'eau. Et puis on va allumer le feu. Si ma base va allumer, tu vas prendre sa moto. Ce n'est pas possible. Bongo moto ango pelande. Eli dit verser. Eli basopi. Eli alobi basopa lisusu. Verser. Alobi basopa lisusu. Le sacrifice. Mbeka. Les pierres. Ba mabanga. Le bois. Ba kon. Tout était submergé dans l'eau. Yo so edindika tina mai. Parce que Eli. Poete Eli. Il savait. Ayeba ki malamu ete. Le sacrifice. Mbeka. Avant d'être offert, ça doit être lavé. Il le savait. Elia yebaki ango malam. Et il a rétabli l'autel de l'Éternel. Bongo Elia a jongisi et tumbelo na Yahweh eloko na esika na yango. Et au moment de l'offrande du soir, bongo na tango na likabu ya pokwa. Mi boma na pokwa. À ce moment-là, Élie le prophète, Élie Mosakoli, il s'est tenu devant tout le monde. Élie Mosakoli a telemi, liboso na batu banso. Et il a dit ceci. Boyoka Élie alobaki boy. Il est éternel Dieu d'Abraham. Alobi Yahweh, nzambe na Abalayama. Isaac. Nzambe na Isaka. Et d'Israël. Pe nzambe na Israël. Pas de Jacob. Alobi te Yahweh na Jacob. Jamais. Alobi bongo te. Dieu d'Israël. Alobi nzambe na Israël. C'est le prince avec Dieu. Et Israël ndenini mokonzi elongo na nzambe. Il dit Dieu d'Abraham. Alors bien Zambé na Abalayam. Dieu d'Isaac. Zambé na Isaac. Et Dieu d'Israël. Zambé ya Israël. Que l'on sache aujourd'hui. Tika ete lelo eyebana. En Israël. Eyebana na Israël. Et je fais tout ceci. Ete na sali makambo manso oyo. Selon ton ordre. Koko kana na mot. Et que l'on sache que toi tu m'as envoyé. C'était sérieux, mes frères. La Bible dit. La Bible dit que Élie n'avait pas encore terminé à parler. Bible dit Élie. Maloba zalaki ko solo la katina mabondeli asili saki nanu atate. Le feu est descendu. Moto et kiti utana lola. Et ça consumait le sacrifice. Ce moto et tumbi mbeka. Les pierres. Et tumbi pe mabanga. Le bois. Et tumbi pe koni. Et ça avalait l'eau. Mbe moto et meli mai. Alléluia. Pourquoi? Pananini. Parce que Eli. Pete Elia. Sa vision. Oyo. Comment nana ye, sa vision qu'il avait eue, oyo, et mono ye azuaki, concordait parfaitement avec la parole de Dieu. Et kokana ki penza na liloba na nzambe. Si votre vision n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce qui lo lenge na yo ya komona, et kokani na oyo liloba na nzambe lobite, c'est faux. Et ali lokuta, votre vision est fausse.
Mais si votre vision est conforme à la parole de Dieu, vous allez vous en tenir, vous y accrocher. Quelle que soit l'opposition, Elie, il était sûr et certain que l'enfant descendra. Amen. Pourquoi? Il avait la foi parfaite. Il connaissait ce qu'il était. Et son cœur était pur. Elie, dans son cœur, il n'y avait pas de condamnation. Jamais. Il était certain de ce qu'il faisait. Il croyait cela. Il croyait que ça vient de Dieu. Et il croyait qu'il est le prophète du Seigneur. Et il croyait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et si toi tu crois comme Elie, et c'est Dieu qui m'a appelé pour que je sois sauvé, et rien ne vous résistera. La foi parfaite, hein? Vous devez connaître votre position. Vous, quand vous connaissez votre position et vous connaissez ce que vous êtes et ce qu'il y a dans votre cœur, vous n'allez pas bouger. Vous aurez la foi parfaite. Le prophète dit ceci. Il dit, quand je suis allé en Finlande, j'avais déjà eu la vision qu'on va écraser un jeune homme. Même la manière dont il sera vêtu. Et j'avais déjà vu ça. Alors quand je suis arrivé là-bas, et cet accident-là a eu lieu. Et la vision est écrite dans ma Bible. Alors j'ai dit à mes frères, il dit, j'ai dit à mes frères morts qui est avec moi. Je leur ai dit, il arrivera, ainsi dit le Seigneur, que dans un pays où il pousse des sapins et des rochers sont amoncelés, il y aura un petit garçon aux cheveux coupés courts, et il a commencé à le décrire, même ses yeux. Il dit, il sera tué dans un accident d'automobile, mais tu poseras tes mains sur lui et il reviendra à la vie. Obama kete elenge mwana mobali moko na miso na ye boye suki boy abandi koloba ndenge elenge mwana mobali wana kozala pe lobiete accident toli kama moko ya moto ke kozala akonyatama akokufa. Si mango yo brana moko chela ye maboko akubika ape akubika. Écoutez le prophète. Yo kani mosako. Je suis au paragraphe 91. Tukuli bwa na moko. C'était écrit là. Et mono yango e komama kiwana. Et il était tangi là. Pe mwana mobali yango ye wana lala kiwana. Amen. Attendant la parole. Azali kozela liloba. J'ai dit, na lobi, si ce garçon n'est pas vivant d'ici 2 minutes, so ki sima na minute mi balé, oye bembe ya mwana mobali oyo alamukite ya komi na bomoi d'ici 2 minutes. Kati na 2 minutes oyo ezoya. Alors je suis un faux prophète. Bongo bobia ngangai brana me musakole ya lokuta. Chassez moi hors de filan. Bongo bobenga ngangai libanda na mboka na bino filan. Mais s'il est vivant, kasi soki mwana mobali oyo aze bemboyo asekwi ya komi na bomoi, tombe sur votre face. Yo tobino bokwaya na mabolongo elongi na se et repentez-vous. Mais bongo la mitema na bino. Paragraphe 91. Tukuli bwana moko. J'ai dit, nalobaki mort. Mort. Nalobaki kufa. Mort. Kufa.
Tu ne peux pas le retenir. Yokufa okokokate kokandisa mwana mobali oyo. J'ai réclamé son esprit selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nazalaki ko senga te molimo na yesonga kokokana na liloba na Nzambe. Nazo salango na komo na Yesu Christ. Et il se leva d'un bond. Kanga mbala moko mwana mobali atelem. C'est vrai. Ezali solo. Vous voyez? Bomoni. La foi s'y accrocha. Omoni e kondima e kangana kiwana. Dieu l'a dit. Nzamba loba kiango. Et le voilà. Petala likambo yango kokokisa. Quand je parle, soki nzamba solo li, les choses se réaliseront. Makambo makokokisa makaka ndenga loba. Écoutez le prophète. Boyo kamosa. Tukuli bwana mibale. C'est Dieu qui parle en ces jours par des visions. Ezali nzambe na mikoloyu. Nazali ko solo la kati na bimono. Toutes les visions que le frère Branham a eues. Bimono biso ndeko Branham azwaki était vrai. Ezalaki kaka solo. Pas seulement vrai. Ezalaki kaka solo te. Était la vérité. Ezalaki pe solo ya likambo. Parce que ce n'est pas lui. Poete ezalaka frère Branham te. C'était Dieu qui parlait. Ezalaki nzambe ko solo la kana nzela na frère Branham. Et ce message? Bongo sango yo tozana ngo. Ce n'est pas un homme. Ezali mutute. C'est Dieu qui nous a parlé. Ezali nde nzambe a solo la kina biso. C'est pourquoi nous nous y accrochons. Ndeti na wana omoni tokangani na sango yo. Mais si quelqu'un d'autre amène ce qu'ils appellent la parole de Dieu que c'est contraire à la Bible, c'est faux. Kasi soki mutu mususu amemi eloko moko yazo bianga ete ezali liloba na Nzambe. Nzoka nde ekeseni na oyo Biblia elobi. Eloko oyo amemi wana ezali lokuta. Et si cette parole vous dit quelque chose. Na bongo soki liloba li. Liloba oyo elobi na yo eloko moko. Alors vous pouvez avoir la même confiance que cela va arriver. Na bongo osengeli ozwa ondima solo solo na motema ete oyo liloba lilobeli yo ekokokisama. Si la Bible dit ils imposeront les mains aux malades. Bongo soki Biblia elobi ete bakotia maboko likolo na babe. Et les malades seront guéris. Babeli bakobikisama. Mais c'est la vérité. Si ezali solo. Les malades seront guéris. Bato na malade bakobikisama. Combien ont déjà été guéris par l'imposition des mains. Bato boni batiela bango maboko pe babiki na malade. Regardez-les. Tala bato. C'est une réalité. Elingi koloba liloba ezali solo. Esengeli okangana na liloba yango. Ils chasseront les démons. Liloba lilobi ete na kombo na ngai bakobenga na milimo mabe. Les démons ont parti. Esengeli ba milimo mabe bakendi. Hier. Bien pételo. Lobi loleki. J'ai dit hier. Lobi loleki. Le diable a bloqué une sœur. Satan a kangisa kinde komwasi moko. Ses jambes. Ma kolona ye. Sa colonne vertébrale. Mokuwa ya mokongo na ye. Elle m'a appelé. Nde komwasi ya bianginga. J'ai dit, Seigneur Jésus. Nalobaki, kolo Yesu. Quelle marche. Tikete atambol. J'ai dit, au nom de Jésus Christ. Nalobaki na kombo na Yesu Christ. Après. Sima. Quelques minutes. Sima kaka na minute muke. Elle s'est levée. Nde komwasi ya telem. Elle a commencé à marcher. Abandi ko tambo. Elle a mangé. Alié. Et ses voisins se sont étonnés. Bongo bazalani na ye. Bakamwe likam. Est-ce que cette sœur là est ici? Si elle est là, elle peut se lever. Soki nde komwasi wana. Yamakambia lobia zaliwa na tele. Voilà, elle est là. Yewa nakuna. Parce que c'est la parole qui a dit ça. Pona nini? Poete ezali lilobande lilobaki yango. A mon nom. Ete na kombo na ngai. Vous chasserez les démons. Boko bengana milimo mabe. C'est la parole. Ezali liloba. La Bible dit les miracles suivants suivront ceux qui auront cru. Biblia lobia te bilembo biye bikolanda baye bakondima. Parce que Dieu doit travailler. Vous savez pourquoi nous ne voulons pas donner beaucoup de témoignages? Je vais le lire à la fin. C'est parce que le prophète dit. Oui, il se moque de moi parce qu'il me dit toujours qu'il faut qu'on donne les témoignages. Comme ça, je vais lire immédiatement. Laissez-moi lire. Vous voulez que je lise ça? Je crois que vous voulez ça. Laissez-moi lire ça. Oui, oui, je dois lire ça. Nous reviendrons.
Le prophète dit, si vous parlez trop de ce que Dieu fait avec vous, alors vous faites de la publicité. Laissez-moi lire ça comme ça. Et parce que les gens croient que comment Dieu ne peut pas travailler alors qu'il est avec nous. Bon, pour être battu, Nzambe azanga ko sala ndenge nini na ye azana biso elongo. Je vais lire dans la prédication. Na otanga katinalité ya mosakoli. Et de ce moment, kobanda na tango wana. C'est du 20 mai 61. Oye te ami na mukolo na sanza tokumi balé. Sanza na mitano 1961. Oh, laissez-moi lire ça. Au paragraphe 29, je vais lire. Tu kumi balé na libwa na lingira tanga yango. Ok. Lisez ça. Je crois que si vous lisez ça, c'est bon parce que. Lisez là-bas. Paragraphe 29, j'ai lu seulement ça. Tu kumi balé na libwa na zali kotanga. Et je ne crois pas dans le fait de faire trop de. Attendez, laissez-moi commencer à 28. Je vais prendre du temps. Allez-y, lisez. Okay. Ainsi, quand je suis entré dans la salle des psychopathes. Parfois, on les fait sortir ce qu'on appelle les cas d'urgence. Et je n'oublierai jamais une belle jeune femme qui était assise là. Et là, certains d'entre eux, oh là là, j'espère que ceci n'est pas une mauvaise chose. Bongo na kutakirenge mwasi moko afanda kiwana ba mususu na kati na bango na moniete oyo ezali lokumabete. Mais je suis entré dans certains endroits et j'ai vu, c'est une chose si horrible, la folie, voir une jeune fille utiliser un bassin hygiénique et ensuite se laver le visage comme cela avec. Bongo musakuri alubili boma. Ce sont des gens aimables, mais c'est le diable, c'est un démon. Ezali batoyo balingami, batuna buboto mpe na bolingo, kasi makambo ekomeli bango, ezali Satan. Je me suis abstenu de donner des témoignages sur les choses que j'ai vues se passer dans les réunions parmi vous. Côté katina kuyanga noana, azali kokutana batu ar mutima na yebukanya bandi ku bondela makambo ezali ku salama, alubi na mibatela ki na mipekisaki, na solo makambo ina mona ki na katina kuyanga na katina bino. Nzamba za kumoni sie makambo ya lobate. Kasi yotu kendra galibos. Eh bien, cela ferait des volumes et des volumes de livres. Musakula rubi soki na lindi kutatula makambo yo nzamba moni singai pe nzambe asali na ngai ekusala babuku na babuku. Bato na français babyanga yango encyclopédie. Voilà. Mais je m'abstiens de dire cela parce que je n'aime pas en parler. Alubie nazare kumi pekisara lubayango nalinga kulubayango te kendeli bosu venef. Jésus a dit veillez à ce que personne ne dit simplement pas, allez simplement de l'avant, Dieu en tirera gloire. Olubelo kote tika makambo yango kende boye bato bango moko bakumisa nzambe kuno bazale kokende alors nzambe akozwa lukumu na kati soki ezali yo. Il y a des témoignages.
Totanga ili ziloyoka musakolie. Tanga 29. Wana totanga 28 yo tanga. 29. Et je ne crois pas dans le fait de faire trop de publicité. Beaucoup de choses, c'est quelque chose qui a été fait. Makambo ebele ebele tango na komina États-Unis na kede faire son ville. Malaki singa ili banga moko balubi musabola fanda kyao. Tango telemi makambo ile kachawo kuti kuyabate. Tango tokina Afrique du Sud pasteur indien azaki medjumu na mwana naye. Bakendaji na stade mpona komeka musaboli. Alors tango ba komi makambo ile kachi kuna babongo moto mbaza ba magicien. Alubi na biso ako kakili susu kubonde la tempo ete nzamba za laki wano. Kasikoyo soje za ringa ina yoto kuruba mingi nga ina lubili kambute yo tanga tanga. Laissez simplement cela tranquille. Laissez Dieu s'en occuper. Je préfère cela. Tele matawana musakuli alubi ya tika yango kimia omoni tika yango kimia tika nzambe asokipe na makambwana frère Branham alubi je préfère cela batuboni balingi yango lokola musagoli ngai na lingi yango nzamba pambula yo nzamba pambula yo Dieu doit travailler nzambe esengeli asala musala si Dieu appelle un homme soki nzambe abiangi mutu moko il doit travailler avec lui esengeli asala musala na mutu wana si ne travaille pas avec lui soki asali musala na yete alors c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé engi koloba ezali nzambe nda abiangi mutu yango te et vous ne pouvez pas être la seule personne avec laquelle Dieu travaille yo okoki kozala te kaka yo moko nde nzambe asala kana yo musala si Dieu ne travaille qu'avec toi soki nzambe asala kana musala kaka na yo bato mususu te alors pourquoi Dieu a-t-il appelé les autres bongo pona nini kasi nzambe abianga bato mususu est-ce que je vous dis la vérité na robina bino solo. Il ne peut pas y avoir une seule personne avec laquelle Dieu travaille. Et koki kozala te na mutu moko nzambe asale la kaka ye asale la kamutu mususu te. Non, là ça ne va pas. Wana makambo etambola ndengeni. Là ce n'est pas Dieu. Wana ezali nzambe te. N'ayez jamais cette idée là. Yo omicha makanisi ya ndengo wana na mutu te. Quoi que Dieu fasse avec toi. Atan nzambe asali na yo makambo ya ndenge nini. Humilie-toi. Yo omikitisaka. Et Dieu te le verra. Pe nzambe akotombwa ma. Amen, amen. Dieu veut tirer gloire de tout ce que lui fait. Nzambe na makambo manso ye asalaka alingi kati na yango ye azwa nkembo. Il ne veut pas que toi et moi alinga katete yo pengai nous puissions tirer gloire. Ndeto zwa kembo na makambo yazo sala. Non. Te. Dieu veut lui-même avoir la gloire. Nzambe alingi asali makambo na ye ye mwakwa zwi kembo na makambo ye mwakwa sala. Est-ce que j'ai dit la vérité? Na lobi solo. C'est ça. Dieu veut avoir la gloire lui-même. Nzambe alingi azwa kembo nyoso kaka ye moko. Pas lui et vous. Ezalite nzambe azwa kembo uyopo zwa kembo alingi bongo te. Dieu ne veut pas ça. Alingi te yona yebo zwa kembo. C'est ce qu'était le prophète de l'Ancien Testament. Ya onde zalaki basakole ya kondima na kala bazalaki. Qui connaissait ce qu'ils étaient? Bayebayebaki eloko oyo bango bazalaki. Ces prophètes là, basakole wana, ils étaient soumis à Dieu. Bango bamis kitisaki na sena nzambe. Et si vous voulez avoir la foi parfaite, soki yo lingi ozala na kondima oyo ebongi be, soumettez-vous devant Dieu. Omi soki sa liboso na nzambe. Et mettez toutes les choses en ordre. Pe makambo manso cha yango na molongo bongi sa makambo na. Et vous allez voir ce que Dieu fera avec vous. Si mayo komona makambo nini nzambe akosala na yo. Nettoyez votre cœur. Yo sokola motema na yo. La Bible dit si notre cœur ne nous condamne pas. Biblia lobiete soki motema na biso ezali kofunda biso te. Alors nous aurons de l'assurance devant Dieu. Na bongo tokozala na kondimisama liboso na nzambe. Parce que la condamnation dans votre cœur. Poete et quoi c'est donc quoi ça ma kati na motema na yo n'amènera pas de résultats et ko sala ete makambo obondeli mbuma nango eyate. Laissez-moi lire
dans le prophète au paragraphe 97. Botika ngana tanga kati na mosakoli. Vous allez comprendre pourquoi les gens ne sont pas guéris. Ils ne croient même pas à leur prière. Leur cœur n'est pas convaincu. Et même si on prie pour lui, son cœur n'est pas convaincu aussi. Mais Jésus croyait à tout ce qu'il disait et à tout ce qu'on disait de lui. Ni les pharisiens, ni les sadiciens, ni Hérode, personne n'a changé Jésus. Mais même Jean-Baptiste, rien ne l'a changé. Il connaissait sa position et il reconnaissait ce qu'il était. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi? Mais n'est-il pas écrit? Il se référait continuellement à l'écriture. Parce qu'il était lui-même cette écriture-là. De sorte qu'un chrétien, s'il croit à ce qu'il demande, Dieu le bénira. Alors il recevra ce dont il demande. Écoutez le prophète. Je vais lire le paragraphe 97. Je vais descendre. Vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Yo, soko za mondimi. Omiye ba penzaka kalokola mondimi. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. Oye ba ete makambo yo ezalinde po na yo mondimi. S'il y a une condamnation dans votre vie. Soki katina bombo inayo ekwa iselimo ko ezali. Commencez par rectifier cela. Yo banda nanu na kobongise kwa iselina bombo inayo. Vous pouvez demander à Robert. Et à une douzaine d'autres personnes qui ont la foi. Et de venir ici. De prier pour vous. Et de sauter de bas en haut. De verser de l'huile sur vous, 5 litres à la fois. Mais cela ne bougera toujours pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ne viendra pas dans ce cœur-là. Parce que ce cœur-là est condamné. Il y a quelque chose. Ce n'est pas la faute de celui qui prie pour vous. C'est de votre faute. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi vous trouvez toujours, on prie pour quelqu'un ici. Il part. Il dit, voyez, le pasteur Kabamba avait prié pour moi. Le pasteur Chibango a prié pour moi. Le pasteur Ilakwa a prié pour moi. Le président du conseil diacre a prié pour moi. Mais cette maladie ici, je ne sais pas. Je suis fatigué. Peut-être Dieu ne me connaît pas. Ah. Neti nomoni mutumwa kwa bakobonde la ponaye si makei ayebisi alobi omoni ya pasteur Kabamba si abondeli ponanga na malali yoka. Pasteur Chibango si abondeli. Pasteur Ilakwa abondeli malali yoyo na yebite ezokendate na moni lokola nzamba yebingaite. D'ailleurs, j'étais dans la salle de dos et puis tous les vases avec le honorable Likunde, ils ont prié pour moi, mais pasteur, vraiment, je ne suis pas guéri. Na kote katana mananda ko ya makabokuna ndeko Likunde na bavaze nyoso ba bondeli ponanga, mais pasteur, na bikite. Les prophéties, oyo bisakweli, les parlant langues,
Les visions ne guérissent personne. Yango ebiki saka mututeo. Ce qui vous amènera la guérison. Eloko ekomema yo kino okoma na kobikisa mananzoto. C'est votre foi. Ezalinde kondima na yo. C'est votre foi. Ezande kondima na yo moko. Moi je prie pour les païens. Tango na bondela kapona ba pagano. Et puis ils sont guéris. Au moins, on a bondé le pont à Bopagano. Abiki naye. Et il est parti. Akei penaye. Il y a un frère qui est venu de Yaboiti. Est-ce que ce frère est ici? Neko moko wa utaki na Yaboiti. Azaliawa. Il était étudiant ici. Azalaki moye koli na classe à l'ikolo awa. Le frère qui est venu avec lui, il est ici. Neko ya yaki na neko ya Yaboiti. Azaliawa. Le frère est là. Neko azali kuna. Il est étudiant ici. Azalaki étudiant ao. Il allait mourir. De quoi on est singela kapo. Pas d'espoir. Eli kesilaki. On a prié pour lui. Tobondeli pona. Il ne vient pas ici. Ayaka. Il n'est pas ici. Azapé. Il est déjà rentré à Yaboiti. Asa zonga nena ya Yaboiti. On a prié. Tobondeli. Et Dieu l'a ramené. Nzamba zo. Et il est guéri. Abiki. Il a terminé ses études. Azilizipe classe ne alikolo. Je ne l'ai plus jamais vu depuis ce temps-là. Si maya mabondeli na mona lisusu ya tamba la mokoti. Mais il est venu avec le frère là-bas. Frère il dit pasteur. Allô, pasteur. Je ne peux pas être ingrat. Je viens. J'avais terminé les études. Tout juste après votre prière. J'avais cru. Et j'étais guéri. Mais maintenant, je viens donner mon offrande. Amen. Mais ici, les gens Batu. Rectifiez ce qui est dans votre cœur. C'est le prophète qui dit ça, ce n'est pas moi. Vous devez rectifier votre vie. 101. Le prophète dit ceci. Tel homme a prié pour vous. Vous voyez comme cela. Mais voici votre ennui. Allez rectifier cette chose-là. Allez là-bas. Confessez ce péché à votre mari ou à votre femme. Allez faire cette chose-là. Cela ne vous fera jamais de bien. Peu importe qui prie pour vous. Avant que vous ne rectifiez cela. La condamnation est dans votre cœur. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Dieu n'y habite pas. Vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi. Et vous croyez. Croyez. Si tu es rectifié, le prophète dit, à ce moment-là, n'ayez pas peur. Le feu va s'allumer. Mais vous trouvez une personne innocente. Son cœur est juste. Mais il a peur. Dans la Bible, il y avait un homme qui avait peur. La peur qu'il avait, les choses qu'il craignait là, la peur est allée les prendre. Et c'est le lui amené. C'était Job. Job. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Job 3, 25 à 26. Je vais expliquer ça correctement. Dans ce que je crains,
C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. C'est ce qui m'atteint. 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Nazalina kimiate. Nazalina motema ekiti na sete. Nazali pe na kope mata mokete. Et le trouble s'est emparé de moi. Pe kobulunga na mikakatano e wambingai. C'est ce qui tue les gens de sida. Yangonde, yango anande bo makabato ya sida. Et parfois c'est ce qui les empêche à être guéris. Yango penda tango mosusu epekisa bango ba babika. Il peut être bien portant. Mais dès qu'on l'examine, on lui dit tu es négatif, séropositif. Il commence à réfléchir. Il commence à voir comment il va mourir. Il commence à maigrir. Il commence à manquer l'appétit. Ce n'est pas encore la maladie. Ce sont ses pensées. Ezayaka ba makanisi na yo. Comme il a peur de ça. Lokola azali kobanga yango. La peur va prendre ça. Bongo kobanga na ye kende kozua yango. Et ça lui amène. Et memeli e kati na nzoto. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrivera. Mais si vous ne craignez pas, ça va partir. Eko kende. C'est ça le secret. Ne sekele yango wana. Je vais lire ça. Je vais lire dans les prophètes. Écoutez les prophètes. Boyoka mosako. Il dit dans le livre de Job. Alobina mokanda na Yobo. Il est dit que Job y peur. Elobami ete Yobo abangaki. Et ce qu'il craignit. Eloko Yobo abangaki. Arriva effectivement. Yango nde penze komela kie. Qu'est-ce qui en fait la cause? Oh. Ti eloko nini nde ekendeki ko botali kambowana sa crème ezalaki nde somo ya Yobo. C'est ce qui le fit arriver. Ya somo nde salaki te likambu yango ezalaki ko banga ekomela ye. Sa foi le regardait de cela. Mbele kondima na ye mbele batelaki eloko wana ekomela ye te. Mais sa crainte lui amena. Kasi somo ko banga na ye ekendeki ko zwa likambowana. Il avait peur que cela n'arrive. Azalaki na somo. Et cela arriva. Si il avait su que cela n'arriverait pas, cela ne serait pas arrivé. Mais c'est, voyez-vous ce que je veux dire? Omani, oh, 103. Si vous avez peur. Lorsque vous venez dans la ligne de prière, vous pensez peut-être que je n'ai pas une foi suffisante. Cela n'arrivera jamais. Oyo osengi ekoko matamba la moko te. Ne vous inquiétez pas. Omitungisa tate. Mais si vous savez que cela va arriver. Kasi soko yebiete oyo nazo senge kokomela ngai. Cela arrivera. Ekokomela pe. Voyez-vous. Omoni. C'est la substance de quelque chose. Ezalinde solo ya likambo. Job craignait que ces choses ne lui arrivent et elles lui arrivaient. Yobo abanga kete ba makambuane komela yete. Lokola abanga ki makambuane komela ki. Et si vous craignez que votre maladie ne vous quitte pas, elle ne vous quittera pas. Bongo soki yo zali ko banga ete maladie oyo na moni ekotika ngai te ekotika pe yo te. Et si vous avez la foi, elle vous quittera. Kasi soko zana kondima maladie yango ekokende. Demandez aux médecins ce qu'ils font d'abord. Quand ils vous donnent le médicament, ils vous donnent la confiance dans le médicament. Même quand ils vous amènent dans la salle d'op, vous acceptez.
ondimi d'avaler les comprimés dont vous ne connaissez rien sur la composition. Ozondima komela bakinini oyo oyebi atate basalaka ngo na nini jete nini likambo nini. Et puis qu'est-ce que ça va faire dans votre corps? Na nzoto notango komela oyebi pete ko sala nini. Parce que vous avez confiance en médecin. Kasi omeli ango po na nini kaka po yo ndimi oyo monganga yebisi. Vous avalez ces pilules là. O kamati bakinini wana omela nini nango. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance à la pilule de l'évangile? Bon po na nini kinini ya sango malamu yote ndima yango te po na nini. Parce que la pilule de l'évangile vous amène la vie éternelle. Po te bakinini oyo ya sango malamu e komemela yo bo mo ina seko. Quand un médecin veut vous opérer, tango monga ngalinga pasola yo, il vous dit ça ce n'est rien. Akoyebisa ko pasola ezatel lokote. Ça ici l'appendicite c'est une incision. Ah bon, appendicite ezande lokola moi qui vimbo moko boyo pasoli kaka bo. On va lever ça, ça ne ferait rien. Tokolongo la kaka yango. D'ailleurs, eko salo eloko atamu. D'ailleurs, c'est dans moins de temps. D'ailleurs, eko umela tate. Il dit ce que j'ai déjà fait, c'est parce que ton cas d'ailleurs c'est un cas très simple. Alobi makambo yonga na sina pasola. Oh ya yo, ezata. Alors tu es convaincu. Natango wana yo. Je suis dans les mains d'un bon médecin. Wana okomi kondimete nazana maboko ya monganga malamu. Il n'y a pas de bon médecin. Monganga malamu akouta. Le bon médecin. Monganga malamu. C'est le Seigneur Jésus. Ezalinde kolo Yesu Kristo. Un grand spécialiste. Oyo moto monganga ya yebi makambo malamu. Qui opérait les yeux. Oyo azalaki ko pasola miso. Il avait attrapé la malaria. Ye azwaki malaria. Une forte malaria. Malaria guambi e makasi. Sa bouche est à la côté. Monokonaye eke pembeni na malaria. Alors, ses collègues médecins avaient des difficultés pour le convaincre. Baminga ne baminga nga po bandi misaye takobika ezalaki likambo. Parce que les médecins même n'aiment pas boire les médicaments. Oye te minga nga bango moko komela kinini ezalinde likambo. Mais ils veulent donner beaucoup aux gens. Kasi soki alinga komela yo ba kinini awa tala papier molai. Alors on est allé appeler un pharmacien spécialiste. Bakay ko bianga pharmacien moteki kisyo ya yekola ndenge balamba ka bakisyo ya yebiango malamba. On l'a mené dans un cabinet. Ba memi na cabinet moko. Il a mené toute une boîte comme ça pleine des aspirines. A memi oyo ebolo moke liboke liboke munene ya aspirine kaka pamba. Le médecin est venu là-bas. Monganga yewan. Ça bouche était comme ça. Moi non connais ce que pembe. Mais il connaît les aspirines. Kasi ayebi atamo na kweke pembeni ayebi oyonde aspirine. Alors il est venu devant le pharmacien. Ayeli bosona pharmacien wa. Pharmacien s'est levé. Moto na pharmacien na telem. Il dit docteur, est-ce que tu me vois? Alobi docteur ozomona nanunga. Il dit oui, je te vois. Alobi nazomona yo. Il dit moi que tu vois. Abinga yo yo ozomona. Je suis un spécialiste. Na yebi makambo malamo yo nazosa. J'ai étudié telle part, j'ai fait tel séminaire. Na j'ai trouvé tel homme en coma. Avec une situation plus difficile que ta situation. Il est guéri aujourd'hui, il marche bien, il lui-même prépare même à manger. Écoute, tous ceux que je soigne vont toujours chez eux guéris. Je te garde ici, docteur. Tu n'as pas beaucoup de jours ici chez moi. Écoute-moi bien, je vais te garder ici. Tu ne vas pas faire plus de deux mois. Alors, binaye, docteur, nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Na tangi sika fulani na yekola boye maladi fulani na koma kaliboso na yango na soigner yango na pesi kisi abiki bato banso baya kaliboso na ngai dayero ya yo ezata elokote lelo yo bazo tambola bazo lia ndenge ofandiao na pesi yomi sanza mibale toko umela wate pas même moi okozala tana sanza moko wate toko umela te je viendrai toujours ngai na kobanda et ce médicament que je vais donner pe ki soyo na lingina pesa sikoyo tu vas le boire à ma présence okomela yango kaka nga na telem est-ce que docteur tu me comprends docteur ozoyo kanga docteur docteur na monako pembe na toujours comme ça kaka alors il est venu avec la boîte aspirine sikoyo aye na liboke aspirine c'était 60 Ezalaki tuku motoba. Il s'est assis là-bas. Afandi on. Il a pris un verre. Akamati verre. Il a donné au docteur. Apesi docteur. Il y a avalé. Alobi mela. Il lui a mis le médicament dans la bouche. Ache na monoko. Il a bu. Docteur amen. Il est parti. Okay. Il y a midi je serai ici. Alobi na midi na kozonga. A midi il est venu. Na midi il lui a donné encore. Apesi aspirine mususu. Amen. Il lui a donné des verres d'eau. Apesi kilauli mibale ya mal. Pour qu'il ne puisse pas voir la gastrite. Poete aspirine etungisa motema. Le soir il est venu.
Il venait. 5 jours après, la bouche a commencé à revenir. Quand, quand le docteur a vu les pharmaciens, il a dit vraiment bonjour docteur. Oh, c'est des pharmaciens. Tango, docteur, yende docteur, amoni moto ya pharmacie, ya zata docteur te, abandiko benge bonjour docteur. Pourquoi? Pananini? Sa bouche a commencé à revenir. Pote, amoni ete na kisi ya pharmacie wana, monoko na ebandiko zonga nesikana. Dans 10 jours, na mikolo zomi, il avait consommé 60 aspirines. Ameli ba aspirine tuku motoba. Et sa bouche est revenue. Pe, monoko na ebandiko. Le pharmacien le regarde. Bongo pharmacien atalier. Docteur. Alobine docteur. Sujet spécialiste. Ngai ondimete na yebi makambo malamu koleka. Le docteur dit oui, merci beaucoup docteur. Le docteur alobi solo yebi merci. Après le pharmacien lui dit. Sima. Pharmacien lui dit. Sima ngo pharmacien alobi na ye. Il a sorti sa carte. Abimisi carte na ye. Il dit je suis pharmacien. Abinaza pharmacien. Je t'ai fait avaler les aspirines. Ngai eloko na melisi melisi yo awezalaki nda aspirine pamba. Qu'est-ce qu'il a guéri? Eloko nini ebikisaki ye? C'est la confiance. Ezalinde kondimana. Qu'il avait au docteur. Oyo ya ndimana kina docteur. Si vous avez foi en Dieu, soki yo ndimani kaka na nzambe, vous serez guéri. Ozalina kondimana nzambe okoni. Si vous avez la foi dans celui qui prie pour vous, soki ozana kondimaka vous serez guéri. Vous allez bénéficier le résultat de son ministère. Yo, oko zwambano ya mosala ya motoana. Pourquoi? Ponani. Parce que la Bible dit. Bible lobi. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Yo yo ko yamba mosakoli. Il recevra la récompense du prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète dit, il était mieux pour Pierre. Quand Dieu lui a dit, quand Jésus lui a dit, viens. Il était mieux pour lui de rester dans le bateau. Mais la foi qu'il avait, il est sorti, abimi, il a commencé à marcher. Abandiko tambo. Mais quand le diable a lancé les vagues, Satan a tindiki mbonge, Pierre a regardé à côté. Petelo atali, pembeni, pembeni. Le prophète dit qu'il n'avait pas la foi parfaite. Et il a commencé à s'enfoncer. La foi kondima. La sortie du bateau. La peur kobanga. A commencé à l'enfoncer. C'est pourquoi le prophète dit, la peur est une malédiction. Kobanga somo somo. Est-ce que vous comprenez cela? Quand un homme croit, un chrétien, il devient un mystique pour le monde. On dit vraiment, ces gens-là, tout le monde vous regarde de mauvais oeil. Vous voyez. Jésus était un mystique pour les pharisiens. Pona ba falusayu, Yesu azalaki na ye moto ndenge moto ya keseni na bato mosusu. Et pour les gens de la génération d'Abraham. Pe pona bato ya libota ya tango ya Abalayama. Abraham, Abalayama était un mystique. Azalaki na ye moto ndenge, un drôle d'oiseau. Mo ndeke moko ndenge. Pourquoi? Pona nini? Abraham vivait dans un monde à lui. Abalayama azalaki ndeko bika na mokilio ezakaka ya ye moko. Il vivait dans un monde de la foi. Azalaki kobika kati na mokili ya kondima. Noé vivait dans un monde de la foi. Noa azalaki kobika na mokili ya kondima. Parce que Noé, pote Noa, il croyait. Azalaki kondima. Qu'il va prévoir. Ete mbule konoko. Pourquoi Noé devra avoir une telle foi? Pona nini Noa kokaki kozwa kondima ya ndenge wana? Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Ezali pote ayoka.
une personne entend la voix de Dieu, alors il va résister aux circonstances. Il va appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Biblia lobiete tika ete yeo yazali na matoi ayoka oyo molimo alobi na lingomba. Si quelqu'un a un poste d'écoute, il va capter ce qu'elle dit l'esprit. So ki moto azali na eloko ya kokanga mingongo akoyoka oyo molimo alobi epai na lingomba. Il reconnaîtra que la parole de Dieu est vivante. Moto yango akososolete liloba na nzambe lizali na bomo. Et Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Pe nzambe azali sima ya liloba na ye po ete je suis en train de parler de la foi parfaite. Une foi qui ne peut jamais dire non aux promesses de Dieu. Une foi qui dit toujours oui à ce que Dieu dit. Une foi qui ne peut jamais être embranlée. Le prophète dit, si dans ce matin, chacun de nous a cette foi-là, le diable ne bougera même pas. Et la foi parfaite, elle est basée sur la parole de Dieu. Combien comprennent ça? Je vais maintenant apporter des petits points sur la foi. La foi parfaite. Kondima oye bongi be. La foi parfaite. Kondima oye bongi be. Je suis au paragraphe 123. Suivez-moi bien. Bola ndanga malam. La foi parfaite. Kondima oye bongi be. A la maîtrise de toutes les circonstances. Kondima oye bongi be. Ata makambo nini ekomi kondima wana etele eyebaka kokamata makambo wana pe kokomi sango lokola eloko ezate. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Kondima oyo ebongi pe eyebaka ndenge nini ya kofandisa makambo oyo. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Ata soki likambo ezali nini kondima ekofandisa yango. Le prophète dit ceci, quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, et n'ont rien à voir avec cela, elle maîtrise ses circonstances. Si vous êtes un serviteur de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous allez prier pour les malades. Vous allez dans la chambre des malades. Vous ne regardez pas aux symptômes. Non. Vous allez de l'avant et vous priez et vous ne posez plus les questions. Vous ne regardez pas ce qui va et ce qui ne va pas. Non, parce que la foi croit que Dieu le mènera bien. Poète kondima endimaka ete nzambe. Elle maîtrise toutes les choses. Regardez en Babylone. Talakuna na Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Et ils avaient la foi parfaite. Bango bazalaki na kondimo ebongi be. Et ils avaient l'évidence de cette foi-là dans leur cœur. Bango na mitema na bango bazalaki na solo ya likambo. Ils en avaient la subsistance. Bango bazalaki na eloko
kondima oyo ezali lokola ezomona eloko boye. On les a intimidés. Ba mekaki kobangisa bango. Le roi Nebuchadnezzar a dit Shadrach. Bon, Nebuchadnezzar a dit Shadrach. Meshach. Et Abednego. Na yo Abednego. Et c'est des propos délibérés que vous ne voulez pas adorer la statue. Toloba ezali kaka pamba boende bilobo boy ko sambela bikeko. D'ailleurs cette statue là c'est la statue de Daniel votre frère. Ko sambela keko elingi ko keko bo moni wana. Ezali angai te c'est keko kaka yande ko na bino Daniel. C'est un prophète. Daniel angosia sali mosako. Il voit des visions. Si Daniel a mona kabimon. Il a des vrais songes. Ye azala kana bandoto ya lokutate ya solo. Et même les songes qu'il n'a pas vu, il l'interprète. Ye atandoto ye amonite. Oyeli ye yango alimboli yango. Adorele. Bosambela ekeko naye. Shadrach. Shadrach. Abednego et Meshach. Meshach na Abednego. Ils ont dit Daniel. Balobi Daniel, c'est un prophète du Seigneur. Azali Mosako, il est notre frère. Azali Ndekonabiso. Mais il n'est pas Dieu. C'est notre frère. Azali Ndekonabiso. Nous ne l'adorerons pas. Toko Sambela Yete. Nebuchadnezzar dit attention. Nebuchadnezzar alobi kebani. On va voir quel Dieu va vous délivrer de mes mains. Bako, toko mona nani nzambe nini oyo akokangola bino na maboko na ngane Nebuchadnezzar. Shadrach a dit, Shadrach alobi, même si Dieu ne nous délivre pas, atasoki nzambe akangoli biso na ko na yote. Mais sachez bien roi, kasi mokonzi yeba yango malamu ete. Nous n'adhérerons pas à ta statue. Biso toko sambele keko yoyo saliwa na te. Et le roi dit chauffer la fournaise cette fois. Bongo mokonzi alobi litumbo na moto boya isango ma kasi mbala sambo. Ils avaient la foi parfaite. Bango bazalaki na kondimo ye bongi be. Tout ce qu'on faisait là. Makambo nyon bangili maso bango bazalaki ko sala. Pour Shadrach. Pona Shadrach. Pour Meshach. Pona Meshach. Pour Abednego. Pona Abednego. C'était des futilités. Ezalaki kaka bangili masi biloko ezanga tina. Ils étaient calmes. Bazalaki kimia. Ils voulaient aller à la mort. Balingangi ba kufa. Ils espéraient une meilleure résurrection. Bango bazalaki ko lika ete ata tokufi toko sekwa mala. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ezate lokola lelo. Un chrétien, la maladie dépasse les médecins. Soit qui a la maladie, lequel il va m'engager pour nous au Christ. Alors le chrétien, au moins au Christ, il s'abandonne à sa famille. Ami Tiki, na maboko ya libota na ye. Et la famille l'amène chez le marabout. Libota na ye, ba komi komi ma ye, pa ina mufumu. Et il va mourir là-bas. Akeipe na mufumu, kuna pe akufeli nanda ko ya mufumu. S'il meurt, soit qui a kufi. On dit pasteur, votre frère est mort. Balobi pasteur, frère, na bino moko a kufi. Est-ce que vous ne reniez pas la foi? Yo yo ke pa na mufumu. O wanga ni kondimate. Un chrétien? Mon Christ. Allez chez le féticheur. Akende pa na nganga kisi. Vous êtes allé adorer Balzeboul, Dieu des crocs. Si yo kende ko sambe la Balzeboul, nzambe na ekelona. On a chauffé. Ba pelisi moto. On a dit amenez-le là-bas. Balobi bo mema bango kuna e. Et il partait. Bazalaki na bango kokende. Et la chaleur commença à les atteindre. Bongo mulunge ya moto bandi kozwa bango. Et il commença à tergiverser. Babandi kotenga te. Comme s'ils vont tomber. Lokola nde bakokwe. Il tergiversait. Bazalaki kokwe kotenga te. Abednego a saisi Meshach. Abednego a simbi Meshach. Est-ce que tu avais suffisamment prié? Abio bondelaki na ndenge koki. Meshach lui dit continuons. Meshach alobi tika otuna ngato kende. Alors il a saisi Shadrach. A simbi Shadrach. Shadrach il dit Shadrach. Abi Shadrach. Est-ce que tu avais suffisamment prié? O bondelaki ndenge Ozobanga. Il dit Abednego. Alobi tika ngato kenda. Avançons. Tokende na allons dans le feu. Tokende na moto. Frère. Nek. Quand vous résistez. Tango yo otelemeli. Les choses deviennent dures. Makamboye makasi. Vous pensez que vous êtes seul. Okaniso za yo moko. Au ciel on observe ça. Nalola. Nalola bazo tala oyo yo zo sala. C'est pourquoi la Bible dit. Neti na Biblia lo. Résistez au diable. Otelemela ka satana. Il fuira loin de vous. Alors ils sont partis. On les a pris. On les a jetés dans le feu. À peine ils tombaient. Dieu est descendu dedans. Akiti kati na moto. Il dit mes enfants. Alobi bana na ngai. Vous avez subi la tribulation. Bino bouti kati na minyoko. Mais vous avez résisté. Pe bodi boyiki. Vous m'avez honoré. Bino bo pe
pas être brûlé. Là, dans la fournaise, la foi parfaite a commencé à agir. Ils ont commencé à chanter. Et ils dansaient là-bas. Il y avait une réunion de prière. Au lieu de la mort, il y avait la prière. Parce que la foi parfaite, maîtrise les circonstances. Le roi Mokonzi, il dormait. Azalaki kolala. Mais la fournaise, kasi litumba na moto. C'était Shadrach qui sautait. Et Meshach sautait. Et il Shadrach et Meshach bako pumba pumba. Le roi s'est réveillé. Mokonzi alamuki. Il a regardé. Il croyait que c'est leurs os qui sont en train de brûler. Il a regardé. Il a vu les gens en train de danser. Mais il regarde. Il voit une quatrième personne. Il appelle ces gens. Il dit: venez. Vous avez jeté combien de personnes dans le feu? Moi j'ai dit j'étais trois. Moi j'ai dit j'étais trois. Mais vous avez jeté combien? Vous avez dit non, roi, c'était trois. Mais non, je vois une quatrième personne. Et sa figure ressemble à un fils de Dieu. Et le roi s'est levé. Mokonzi a Il a commencé à crier. Mokonzi a bandiko ganga. Shadrach. Shadrach. Meshach. Meshach. Abednego. Abednego. Serviteur du Dieu vivant. Bino basali anzambe na bomoye. Frère. Neko. Si vous résistez au diable, satana, il va changer de langage. Yeah, quand vous résistez, à tout moment que vous êtes en train d'en girer, en train de gémir, na tango zali kosuma, vous pensez que vous êtes seul, mais il y a une autre personne à côté de vous. Il est invisible. Il est visible seulement à ceux à qui il veut se révéler. Il a changé de langage. Avant, il avait dit, on verra quel Dieu va vous délivrer. Mais cette fois-ci, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu vivant. Basali yanzambe na bomo. Si vous vivez la parole, ce qui obiki liloba malam, quelles que soient les circonstances, atama kamboma yandenge nini, le diable te connaît aussi. Satana ye bipe yo. Même s'il vient te tenter, ata Satana ye komeka meka yo. Même s'il vous amène du trouble, mais il te connaît. Satan a Nebuchadnezzar savait que Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, na Abednego sont des serviteurs du Dieu vivant. Et il les a appelés. Et ils sont sortis. Ils étaient partis liés. Mais ils sont sortis libres. Kasi babimi kuna bazana singa lisusu te. Et il dansait. Bazalaki kobina. Nous avons la victoire. Tozali na elonga. Nous avons la victoire. Tozali na elonga. Et ils sont venus. Et bah ye. On les a examinés. Batali tali nzoto na bango. On a senti l'odeur. Bah lumbi solo. Même pas l'odeur du feu. Attends, solo ya moto na nzoto ezate. Sur leur corps. Na nzoto na même pas l'odeur du feu. Attends, solo ya moto ezate. Pourquoi?
La quatrième personne. Il était là. Le Seigneur des Seigneurs. Kolo celui qui avait créé le feu. Ye mokeli a moto. Dieu, notre Dieu. Nzabenabiso. Il est lui-même un feu dévorant. Le feu combat le feu. Moto. Ebundisaka moto. Si le diable convient comme des flammes de feu. So qui Satan a yé le kolo bande moya moto. Il va rencontrer aussi le feu. Quelles que soient les circonstances. Résistez. Résistez. Et le diable fuira loin de vous. Quand vous résistez. À tout le monde n'a plus d'espoir. Même toi-même. Jésus viendra. Il viendra. Yes, et il vous redonnera l'espoir. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Ayez la maîtrise. Nous avons dit ceci. Personne n'est immunisé contre les épreuves et les tentations. Il n'y en a pas. Sur la terre des hommes, hein, nous serons toujours tentés. Amen, amen. C'est vrai. Oh, laissez-moi lire quelque chose. La foi. Kondima. À la maîtrise des circonstances. La foi. Kondima. La foi parfaite. Kondima oyebongi be à la maîtrise des circonstances. Yango eyebaka kokanga makambo kofandisa ngo kimia. Amen. Laissez-moi continuer. Est-ce que je peux continuer? Nakoba. La foi kondima et l'amour na bolingo son parent. Bazali bandeko. La foi kondima et l'amour na bolingo son parent. Bazali bandeko. Je vais m'arrêter là-bas, je crois. Na kotele matawana na banzi. Je vais lire le paragraphe 126, je vais descendre. Na otanga lite yango kondime obongi pe kama tukumi bale na motoba na kokitana se. Laissez-moi lire ça comme ça. Botika ngala tanga yango bongo. La foi et l'amour son parent. Kondima pe bolingo bazali bandeko. Vous ne pouvez pas voir la foi à moins que vous ayez l'amour. Obogi kozwa kondima te bobele naino yozala na bolingo. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. Pe te kondima nayo e fandi de katina nzambe oyazali penza tina ya bolingo yemo. E utelo na bolingo. E utelo yemo ko ya bolingo. La foi et l'amour kondima pe bolingo travaillent ensemble. Masala ka mosala elongo. C'est comme pour un jeune couple. Comme je vais bénir un jeune couple maintenant. Des jeunes gens. Okay. C'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombe amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître. Leurs cœurs commencent à battre à l'unisson, voyez-vous. Pourtant, ils ne sont pas encore mariés femmes. Mais leur amour les lie. Kasibolingo na bango ezo kangisa bango. Et ils ont confiance l'un dans l'autre. Pe moko andimani acheli mosusu motema. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, sikoyo soki banso baba le balingani penza penza. S'aiment vraiment penza penza balingani. Si vous savez que cette fille vous aime, soko yebie telenge mwana mwasi wana alingi yo penza. Et si elle sait que vous l'aimez, penso ke mwana mwasi yebie te yo penza olingi ye. Vous avez confiance. Na bongo bokondimana moko kondimaka mosusu. Vous avez foi l'un dans l'autre. Moko akondi akotiaka kondimali kolona mosusu. Vous avez foi. Si vous ne l'avez pas,
Vous feriez mieux de ne pas vous marier. Vous devez donc avoir foi. Et si vous les séparez et que vous en mettiez un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ce qui au Kaboli Bango Babale, Moko Oche Nangambo Nangele, Moussou Nangambo Nalikolo, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre. Ata Mosika Mosika Bongo, Bakozala Kaka Moko, et pas na Moussou Bolingoane Kozala Kaka. Où qu'ils se trouvent, ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible. Parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment, c'est comme ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Je prêche la foi parfaite. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui me suivent, levez la main. Dieu vous bénisse richement. Oh. C'est comme ce qui est arrivé ici à Louisville il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle chrétienne depuis de nombreuses années. Il y avait une demoiselle chrétienne qui tomba amoureuse d'un homme qui lui était chrétien depuis environ 2 ans. Oh ya lingana ki akota ki na bolingo na mobali moko oh ya uti kondima elekipe ne pene kaka mbula mi bale pa. Et ainsi ils se mariaient. Na bongo banso babale babalanaka. Ils s'aimaient. Bazala ki kolingana. Et avaient confiance l'un dans l'autre. Pe bandimana ki moko kondima kamo susu. Et ils se mariaient. Bongo babalanaka. Et la femme dit à son mari. Bongo mwasi alobaki na mobali na eboye. Chéri. Ma kwela nangai. Cela doit être difficile pour toi. Eko yango ekokiko ekozala makasi po na yo. Car tu n'es qu'un jeune chrétien. Po ete yo ozali kaka mo Christo oyo oumeli nanu te. Tu as dû passer par tant de choses. Oleki na makambo ndenge na ndenge. Car il vivait. Po ete mobali yango azalaki momeli masanga. Elle dit, mwasi alobi, tu as dû partir tellement de choses et je sais que tu dois être terriblement tenté. Na yebie to le ka na makambo ya ndenge na ndenge pe na yebie te komekama na yo o komekama ya kafu kafu. Meditelle. Kasi mwasi yango alobi. Alobi na mobali na ye. Alobi na mobali na ye. Je désire maintenant que tu saches une chose. Kasi na lingi sikoyo o yebelo komoko. Si tu tombes, si tu as une tentation, soki kuno zali libanda komekama moko kuno kokende libanda kuno kokende libanda soki komekama moko ekomeli yo et que tu y succombes, pe okwei kati na komekama yango, ne reste pas loin de la maison, otikala mosika na ndako kuna te, mais reviens, kasi zonga kaka wana ndako, reviens ici, ata okwei zonga kaka na ndako, parce que je serai ici même à t'attendre, po ete na kofanda kaka awa na zozela kaka yo. Et je t'aiderai à prier. Pendai na ko sunga yo ete na ko sunga yo ko bondela jusqu'à ce que tu aies la victoire. Kino yo o longa o zwa elonga. Je resterai avec toi. Na ko kanga na kaka na yo. Parce que lorsque je t'ai épousé. Pote na tango na balaka yo. Je l'ai fait parce que je t'ai aimé. Na sa, na ndimaki ko bala na yo. Pote na lingaki yo. Et peu importe ce que tu es. Ata soki o komi nini o zali nini. O koma ndenge nini. Ata soki o komi ndenge nini. Ato zali ndenge nini. Je t'aimerai toujours. Ngai na kolinga kaka yo. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Pesangai bande kubasi ya modelo oyo. Donne-moi de telles sœurs. Mabale kuzala kitoko. Mais les foyers seront heureux.
Mbali na yo. Tomari. Oyebiye. Vous les connaissez très bien. Et quand tu l'as épousé, tu les connais bien. Tu connais ce qu'il était avant de croire au Seigneur. Mais aujourd'hui, quelle sœur va prier pour son mari? Si c'est Marie la tombe. Qui va prier? Nani akobonde la lelo pona mobali na ye. Tu connais ta femme? Yo, oyabi mwasi normal. Quand tu l'avais épousé. Tango balaki sœur. Est-ce que tu vas prier? Okobonde la pona mwasi. Ou bien tu diras que je suis fatigué. Oh, koloba ete makambona ele mbisinga. Combien croyez Malachi 4? Batu boni bandimi malaki na minei. Quelque part ici les sœurs ne croient pas. Moi katikati awa. Boko ba sœur bandimi malaki minaite. Priez pour elle. Bonde la pona mwasi na yo. Priez pour lui. Yo mwasi bonde la pona mobali na yo. Quelques jours, je suis à paragraphe 130. Kama tokomisato. Quelques jours après cela, si manami koloya. Alors qu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie. Dans un restaurant. Oui. Il leur parla de cela et leur dit. A solo la kanabango, likamwana mwasi na yebisaki epe alobi na bango. Comment un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal? Ndenge nini mobali moko. Quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi, voyez-vous. C'est cela. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Voilà là où il y a le problème. Nous ne témoignons pas de la confiance à nos maris. Biso ya tolakisaka kondimana kotela motema pa ina mibali na biso te. De l'amour. Bolingo. Un amour qui peut aider. Tolakisaka te bolingo yo ekoki kosunga mosusu eta bimana mabe. Un amour qui peut ramasser quelqu'un dans le mal. Bolingo yo ekoki kolokota mutu kati na mabe na ye abima kuna. Un amour qui peut supporter les faiblesses de l'autre. Bolingo yo ekoki koikela mpiko bolembu ya mosusu. Où est-ce qu'on va trouver cet amour là? Bolingo ya ndengo wana tokozi wa yango wapi? Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Donne-moi de telles sœurs. Les foyers seront. Le prophète dit, il n'y a rien qui brise le cœur de l'homme comme une femme. Moi ça colle à l'obéir, j'attends de l'homme comme un côté. Oh, il dit qu'on boucle mon thème à mon bali. Quand vous trouvez cet amour, un amour parfait, une confiance parfaite, un attachement correct, ça vous empêche même de faire le mal. Cette femme-là, elle ne s'était pas fâchée contre son mari. Asilike la ka mobali na yete. Tu as déjà crié à Dieu. Shusha mini mungu. Non. Tu continues encore à boire. Uku nendelea tu kukunya pombe. Elle savait. Mwasi yango ayebaki. Qu'il va boire. Ayebaki ete mobali wana. Eko komela yame. Il vient de croire maintenant. Po auti kondi makala mingi te. Elle le savait. Mwasi ayebaki. Mais dit chérie. Kasi alobi makwela nanga. Reviens à la maison. Tu vas trouver la même femme. Oko kuta moi, je vais t'aider à prier. Nakosungayo kobondela. Où est-ce qu'on va les trouver aujourd'hui? Oyo basi andengwana tokozo bangolelo wapi? Écoutez les prophètes. Boyo kamosako. Et nous sommes étions des pécheurs. Pe tango tozala ki basumuki. Et que nous étions sans Dieu. Pe tozala ki nzambe te. Éloignés de Dieu. Totangwa ki na dans le monde. Katina moto. Dans la saleté. Katina basoto. Et dans la boue. Pe katina poto. Dieu est venu à nous. Nzambe ye pa ina biso. Dieu vous a cherché. Nzambe aluki biso. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Yo luka te. Yo ndo luka nzambe te. Jésus a dit nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Yesu alobi ete moko te akoye pa ina ngai. Bobele soki tata na ngai
Et Dieu est venu dans la santé où vous étiez. Ben Zambé aye. Katina Masoto Wapiozalaki. Vous y a cherché. Ye Aluki Oute. Et vous en a fait sortir. Pe Abimisi Oute Nabosot. Cela devrait créer un amour parfait pour Dieu. Likamboana Nzambe Asale Laka yo. Et Sengelaki Ebota Bolingo Ebongi Pe Ponanzambe. Et regardez ce que vous étiez. Tala naino oyoyo zalaki. Et regardez ce que vous êtes. Tala naino oyoyo zali. Qui a fait cela? Nani ne asali toko maboye. Quelqu'un qui vous aimait. Ezali moko oyalinga kiyo. Allô? Nabongo. Ne pouvez-vous pas voir foi dans ce qu'il vous a promis? Nabongo. Oko kinde kozanga kozwa kondima. Kati na makambo ye ala kakiyo. Et rayer le véritable amour. Bolingo ya solo pe ya solo. Créera en vous la confiance dans sa parole. Et comment ta katina yo kondima liloba na ye. Dieu est descendu. Zamba kitaki. Dans l'ivrognerie. Akiti katina molango. Dans les cabarets où vous étiez. Akiti katina bare wapi ozalaki. Dans la prostitution. Akiti katina bondumba wapi ozalaki. Dans la cigarette. Akiti katina makayo ozalaki. Dans la saleté du monde. Akiteli yo katina bosoto ya mokili wapi ozalaki. Il vous a appelé. Pe abiangi. Il vous a pris. Akamati. Aujourd'hui, lelo. Vous êtes différent. Ok, c'est vous ne pouvez pas avoir confiance en ces dieux là. Yo obogi ko tchela tanzambe andengwa na motema te. S'il vous a lavé de vos péchés. Soki naino asokola ki yo na masumu na yo. Ne peut-il pas guérir votre corps? Akoki ko biki santoto na yo te. Il le peut. Akoki. Combien croit qu'il le peut? Batoboni bandibeta akoki biki santoto na bango. Moi je crois qu'il le peut. Ngai na dibeta akoki ko biki santoto. Amen. Il le peut. Écoutez le prophète. 133. Il m'a pris alors que je n'étais rien. Alobi, akamata kingai wana nazala ki ate lokote. Je ne suis toujours rien. Atasi koyo nazape lokote. Je suis, mais je suis dans sa main. Kasi nazwa minde kati na maboko na ye. Il m'a pris. Akamata kingai. Il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Alingingai. Alinga kingai na tango nazalaki moto ya ko benga na mosika na ngai nzambe ya kuchola ma ya kuchola ma soji batu batali ngai soji kaka ba moni ngai batali ah umwangalie ule kule umwangalie kule balobi umwache ule balobi ye nde nani nanu mwache botika wana il m'a pris alors que j'étais repoussant alobi akamata kingai na tango yo moto akokaki atako linga tena bele manai il vous a aimé alors que vous étiez repoussant alinga ki yo na tango yo moto akokaki ko il vous a transformé abongoli yo c'est ce que disait une sœur le prophète dit une sœur a dit bon on s'accola lobi ndeko mwasi moko aloba ki boye. Il dit cette fois-ci, je donne aussi mon témoignage. Alobi botika nga na mbala oyo na pesa pe oyo nga litato li. Je ne suis pas ce que je devrais être. Alobi nazali na ino te oyo sengeli te nazala. Et je ne suis pas ce que je voudrais être. Nazali pe te oyo na linge te nazala. Mais une chose est certaine. Kasi likambo moko ezali solo. Et je ne suis plus ce que j'étais. Nazali lisusu te ndenge nazala ki kala. Mais elle savait qu'elle avait dit qu'elle avait fait du chemin, quelque chose était arrivé. Alors bien, ayeba kiete, atambola ki nanzela, elo komobe komela kiye. Alors quand j'étais séparé de lui, il m'aima tel point qu'il savait qu'il se baissa pour me ramasser. Na bongo tango na kabona kina ye, ye alinga kingai na koleka, na ndengete akitaki. Cela me donne la confiance dans le but qu'il désire m'utiliser. Na yango akitaki pona kolokotangai. Yango ezo sala ete nandima na motema mobimba na ye po ete alingete asale langai. Il a un but en faisant cela. Na kosala kabongo azo landeloko moko. Il a vu quelque chose en moi. Nzambe amonaki eloko moko kati na ngai. Il a vu quelque chose en vous. Amonaki eloko moko kati na ngai. Il avait une raison de vous sauver. Kobiki sabiki siyo ezalaki na tina. Et regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Et regardez les millions qui auraient pu prendre votre place. Mais il vous a pris vous. Personne ne peut prendre votre place.
Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut l'offrir. C'est son amour envers vous. Mettez-vous debout, dites merci Seigneur. Pour m'avoir aimé. Vous m'avez pris. Un pauvre pécheur. Et vous m'avez mis dans votre économie. Et aujourd'hui je suis l'un d'eux. Alléluia. Asseyez-vous. Dieu vous a pris. Il a vu quelque chose dans mon frère. Dans ma soeur. C'est pourquoi Dieu vous a appelé. Avant la fondation du monde. Dieu connaissait Ilako. Il avait vu quelque chose en lui. Amen. Et il a pris. Il a pris. Et puis c'est fini. Vous pouvez tout dire. Mais Dieu l'a déjà pris. Quand un homme prend sa femme, vous pouvez l'injurier. Vous pouvez dire Umwangalie cool. Est-ce que c'est où le Dieu Mwanamuke? Mais pour cet homme-là, sans cette femme-là, il va mourir. Demandez à l'administrateur. Quand j'étais à l'ONU, une femme blanche. Elle me suivait chaque jour. Et j'ai commencé à lui parler de Bijaki. Elle est venue jusqu'à la maison. Elle a mangé le foie avec le pondu. Elle voulait voir qui est Bijaki. Et puis le soir, quand nous sommes allés au bureau, elle dit Christophe. Alors, Big Christopher. Tu ne vois pas que je suis une jolie femme. Yo, mon attente. Regarde comment Dieu m'a battu. Ah bien, au moins attente à Zabon Zenga. Tel un homme d'engin Zamba Tongangai. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Kitoko na yo et salangani. Tu es belle. Si osa kitoko yelo. Osama kitoko. Tu as tout ce qu'il faut. Osa nyos. Osa na nyos oye sengel. Mais. Kas. Tu n'es pas Bijaki. Osa Bijaki te. C'est tout. Qu'est-ce que moi je veux faire? Tu veux faire quoi avec ta beauté? Kitoko na yo, lolenge otongama, na sala na ngoni. C'est comme ça avec Jésus. Bangonde na Yesu. Il nous a aimés. Alinga kibiso. Même si les autres disent. Atazo iba to msusu balobi. Ces gens-là sont des vauriens. Ah, batu wana baebi alokote. Ce sont des fainéants. Ah, batu pamba. Leur problème c'est dire toujours alléluia, amen. Makambo na bango kaka alléluia, amen, alléluia. Quand nous disons alléluia. Hey, tango toloba alléluia. Jésus aime ça. Yesu alinga kabongo. Qu'est-ce que je vais faire avec votre beauté? Bon, kitoko ya elongi na yo, niende na yo wapi? Quand je vais me fâcher, vous allez supporter comme Bijaki? Mais tango na ko silika, na kitoko na yo wana, oko ikelanga piko, lokola Bijaki a ikelanga ngapiko. Vous ne saurez pas. Peut-être je vais dormir. Vous allez prendre une lame de rasoir. Okokamata kaka gilette. Vous égorgez. Okatinga ipo yopo siliki. Le problème de notre problème avec Dieu, c'est son élection. Son choix. Son amour. C'est tout. Nous n'avons pas étudié. Nous ne sommes pas des docteurs. Nous ne sommes pas tellement connus. Mais au ciel, nous sommes connus. Dieu t'a connu. Avant la fondation du monde. Ananias dit non, Dieu. Ananias a dit cet homme-là persécute ton église. Dieu lui dit Ananias, venez-le. Je l'ai choisi. Singana poni. Avant même qu'il soit dans le ventre de Liboso a kota na libumu ya mama na ye. Pour qu'il soit mon instrument. Na poni azala esalelo nanga. L'héritage de Dieu. Oyo,
C'est son peuple. Sont ses enfants. Amen. Amen. Le prophète dit alors, votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? Nabongo mosako la lobi. Nabongo. Balingo na yo. Eko tomo malisusu mingi te pay na ye. C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée et la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous aimez l'un à l'autre, cela apporte la foi et rien ne peut empêcher que cela cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. La foi parfaite, elle est pure, aussi pure que l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas. Non, vous le faites. Vous le savez. Mais comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Que vous aimez votre femme. Que vous aimez Jésus. Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui. Ah, nazali komoni sayango polele. Et na lingi ye na lolenge oyo nazali kobika na bomo inangao nazali kobike pai na ye. Je suis une épouse fidèle et honnête. Nazali mwasi na libala oyo azali sembo akendaka pembeni te. Je suis un mari loyal et honnête. Ngala zali mobali sembo pe oyo alandima ndenge lelo. C'est la preuve que j'aime ma femme. Yango ezali kolakisa polele. Ou que j'aime mon mari. Votre vie prouve ce que vous êtes. C'est ainsi avec le christianisme. Il doit y avoir une vie réelle. Vos actions prouvent ce que vous êtes. Misala na yo, yo mo Christo. Misala na yo ndezali kola kiselo koyo yo zali. Quand vous avez une foi pure, tango zali na kondima peto, sans mélange, oye sangani samite, comparable à l'amour que vous avez pour votre compagnon, oye zali ko soyiko kiko koki sango na bolingo yo yo zana ngo pona, vous l'éprouvez par la façon dont vous agissez. Yo zali ndeko la kisango polele na lolenge ya misalo yo yo salaka. Vous ne vous plaignez plus, yo zomi le la le, car vous savez que c'est accompli. Oye bien te esi. Peu importe à quoi les choses ressemblent, c'est fini. Tout autant que vous avez aimé votre mari ou votre femme, l'amour et la foi doivent ensemble. Bongo, bolingo, na kondima, zali kotambola sika moko. Ils sont parents. L'amour produit la foi. Bolingo botaka kondima. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'amour qui produit la foi. Bolingo yango nde botaka kondima. Si quelqu'un a la parole, soki mutu moko azana liloba, il va vaincre. Akolonga. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Nzambe alingaki bokili na bolingo eleki. Il a donné son fils unique. Apesa ki mwana nena afin que quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé et qu'il ne périsse point. Ça ne s'est pas limité là-bas. Dieu a commencé maintenant à prouver l'amour. Il est allé à Gethsemane. On lui a montré la coupe de la tribulation, de la souffrance,
kopo ya bwale. Et il a accepté ça. Il a dit, Père, alobi tata, que ta volonté soit faite. Tika ete mokano na yonde salema. Non pas la mienne. Mokano na ngaite. Il a continué. Akobi. On l'a arrêté. Bakangi. On l'a mené jusqu'à chez Pilate. Ba memi ekino pa na Pilate. Il a pris la croix. Il est monté au calvaire. A calvaire. On a percé sa côte. La vie s'en allait. Et il a crié. Père, tata, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il avait de l'amour. Il est mort à cause de moi. Il est mort à cause de vous. Mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que vous allez lui donner en retour? Bongo. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner de plus important? En dehors de votre vie, Dieu est amour. Son amour l'amène à nous pardonner. Ça l'a fait quitter la gloire. Et qu'il descende. Qu'il vienne ici. Aya. Qu'il vienne te chercher. Aya. Et qu'il vienne me chercher. Aya. C'est pourquoi il a mené la parole. Et il dit, c'est lui qui écoutera ma parole. Yenani. Akoyoka maloba nangai. Et qui croira celui qui m'a envoyé. Pe akondi mamotindi nangai. Il a la vie éternelle. Ye asia zui bomo. Et il ne passera pas à la mort. Pe en jugement. Akole kalisusu na kosambi sabate. Mais il passera de la mort à la vie. Kasi akobi manakufa akoti na ye na bomo. Pourquoi? C'est son amour. C'est son amour. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Après sa résurrection. Après s'être parlé avec ses disciples. Il dit, je m'en vais. Vous préparez une place. En fait, que là où je suis. Vous y soyez aussi. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, paix. Tata, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné dans le monde. Maintenant, Père Saint, je quitte le monde. Je viens à toi. Nazoya epai na yo. Mais Père Saint, quand j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Maintenant, moi je ne suis pas du monde. Et maintenant, ils vont rester dans le monde. Père Saint, tata Mosant, garde-les du monde. Batela bango na mokili. Mais ne les ôte pas du monde. Amen. O batela bango na mokili. Mais obimisa bango na mokili te. Jésus. Quelle prière. Eh, ni bon de l'inimio. Il dit Père. Alors, mi tata. Pas seulement eux. Mais tous ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Kasi banso bako bato banso yo bako ndimela ngai. Garde les pères. Ils auront des tribulations. Ils auront des tentations. Ils vont souffrir. Ils auront des épreuves. Mais Père Saint, garde-les. En ton nom. C'est Jésus qui priait. Avant que moi et toi nous venions sur la terre. Il avait déjà prié pour nous. Qui croit qu'il avait prié pour lui? Moi je crois ça. C'est pourquoi je suis protégé. C'est pourquoi tu es protégé. Avec un amour comme celui-là. Comment nous n'allons pas suivre Jésus? Qu'est-ce qui va nous séparer? La misère, la pauvreté, ou la richesse, ou les femmes,
ou la boisson, ou la cigarette, jamais. C'est un amour incommensurable. Personne ne peut nous aimer comme Jésus. C'est Jésus qui priait. Et il a continué. Il continue à manifester son amour. Il dit, alors, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes des enfants. Moi, je remercie le Seigneur. Parce que je suis un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Dieu? Mettez-vous debout, dites merci Jésus. Amen. Amen. Oh, asseyez-vous. Bofanda. Je ne sais pas ce matin. Na tongo na lelo na yebite. Est-ce qu'il y a une personne qui peut reconnaître que s'il est sur la terre aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Vos amis avec lesquels vous étiez nés, il y en a qui sont déjà morts. Mais l'amour de Dieu vous a cherché. C'est ce qui vous a amené ici ce matin. Je ne sais pas ce matin. Y a-t-il une personne qui veut donner sa vie à Jésus? Avant que je bénisse le mariage, si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux aussi lui témoigner ton amour. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, viens ici. Nous allons te baptiser ce matin. Moi-même, j'irai te baptiser ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te donnera le Saint-Esprit. Le royaume des cieux viendra en toi. Dieu a tant aimé le monde. C'est ce Dieu-là qui te cherche. Aucun homme ne peut chercher Dieu. Celui qui cherche les hommes, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a besoin de toi. Il veut te donner l'assurance du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, ma soeur, si tu es là, mon frère, avant que je bénisse le mariage, avant que je prie pour l'église, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, viens donner ta vie à Jésus. Viens ce matin pour le pardon de vos péchés. Jésus a dit à ses disciples, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Quel est ton choix ce matin? Tu veux être sauvé ou être condamné? Ce n'est pas moi qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Y a-t-il encore une brebis du Seigneur qui veut donner sa vie à Jésus? Si vous êtes là, mon frère, si vous êtes là, ma soeur, ce matin, c'est votre jour. C'est toi que Dieu appelle.
Yo denzambe azali kobianga. Lève-toi mon frère. Telema ndeko mobali. Manifeste l'amour à l'égard de Dieu. La kisa polele bolingo epai na nzambe. Dieu a envoyé son fils. Nzambe atinda ki mwana na ye na likinda. Pour vous épargner de l'enfer. Poete asala ete yo kende na lifelote. Pour que vous alliez au ciel. Poete yo kende na lola. Ce matin. Bongo na tongo na lelo. C'est votre jour. Ezali mokolo ya yo. De recevoir le salut. Yako ya balobiko ya bolimo na yo. Mon frère, ma soeur. Ndeko mwasi ndeko mobali. Peut-être après ici. Tango mozuzu sima na matin yo yo. Vous ne serez plus sur la terre. Yo koza la lisusu na mokilio yo te. Parce que cette bonne nouvelle du royaume. Poete sango malamu oyo ya bokonzi. Est envoyé. Et dinami. Elle est prêchée. Et dayami. Pour servir de témoignage. Bona litatoli. Après quoi? Simanango. Viendra le jugement. Kosambi same kokwea. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes là derrière. Et vous qui êtes ici dehors. Ce matin. Dieu vous appelle. Dieu vous connaît. Avant la fondation du monde. Dieu connaît ce qui est en vous. C'est pourquoi il a voulu que vous soyez ici ce matin. C'est toi que j'attends pour prier. Yo, de nazali ko zela po na kobonde. Je t'attends mon frère. Nazo zelonde ko mobali. Je t'attends ma soeur. Nazo zelonde ko mwasi. Je t'attends. Zambe azali ko zela yo. Comment vous allez dire que vous aimez Dieu si vous ne lui confiez pas votre vie? Ndenge nini yo koloba eto linga ka nzambe? Nzokande yo boy ko pesa yeba moyi na yo. Comment vous allez dire que vous aimez Dieu? Ndenge nini koloba eto linga nzambe? Si vous ce matin. Vous voulez continuer votre chemin et lui va son chemin. Non. La foi et l'amour. Kondima bebolingo. Et son parent. Ils travaillent ensemble. Ils sont une même chose. Je crois en Dieu. Mais vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas sa parole. Vous vivez une vie contraire à la parole de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Vos actions témoignent ce que vous êtes. Vous n'aimez pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Toi brebis du Seigneur qui est resté. Yo paten en kolo yo tikalaki. Lève-toi. Telema. Viens donner ta vie à Jésus. Yako pesa Yesu bomo ina yo. Ne reportez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Eloko sengelo sala lelo. Olo baten ete na kosala ngolobi. Jamais. Bongo te. C'est aujourd'hui le jour. Lelo. Où Dieu t'a parlé. L'église ne te sauvera pas. Il n'y a que Dieu qui sauve. Dernier appel. Au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il encore une personne? Azana nunde qui veut témoigner son amour à Dieu. Oya linga tato la bolingo na ye pa ina nzambe. Lève-toi. Soko zali tema. Viens donner ta vie à Jésus. Yaka opesa Yesu ba moyi na yo. C'est lui qui t'appelle. Yesu nde azali ko bianga yo. Voilà encore un jeune homme qui vient. Tala elenge mwana bobali mosusu yo na zoya. Nzamba ye ba kaba oyo na ye. Laissez le passer. Botika yale kae. C'est toi qu'on attend mon frère. Yo Je t'attends ma soeur. Dieu veut te donner la vie éternelle. Au nom de Jésus Christ. Lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. C'est le dernier appel. Voilà encore une autre brebis du Seigneur. Et vous qui êtes restés. Qu'est-ce que vous attendez?
Entonnez les cantiques, nous allons chanter. Pendant que nous attendons les frères. Pendant que nous chantons, venez. Laissez les frères passer. Venez mon frère. Venez ma soeur. Que rien ne vous retienne. Pendant que nous chantons, venez. Donnez foi à Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Tes frères et tes sœurs sont ici. Tala bandekono basi, bandekono mibali, bango bazawa liboso. Akoki kosu ayo. Mon frère, ma soeur, avant qu'on prie, tu connais, si yo yebi, en toi, katina yo, n'y a pas la foi parfaite. Malgré l'église que tu fréquentes, l'amour de Dieu n'est même pas en toi. Pourquoi vous rejetez Jésus? Si koyo, ponani rezo boaka Jésus. Pourquoi veux-tu aller en enfer? Bon anini, oligio kende na lifelo. Au nom de Jésus Christ. Si ko na komba na Yesu Kristo. Que les chaînes de Satan tombent. Mignololo na Satan e katana. Que les fils et les filles de Dieu soient libres. Bana basi pe bana mibali na nzambe bazala nsomi. Au nom de Jésus Christ. Na komba na Yesu Kristo. Vous êtes libérés. Okangolami. Venez à Jésus. Yake pa na Yesu. Courez, soyez pressés. Lokolo kangolami. Zala noki noki potam bangu yake pa ina Yesu. Kure ma sœur. Potam bangu ndeko mwasi. Kure mon frère. Potam bangu ndeko mobali. Y a-t-il encore un? Moko mosusu. Azalinde. Voilà une jeune femme qui vient. Elenge mwana mwasi yeyo azoya. Oh Dieu bon.
Zambe azali malam. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci Jésus. Matondi Yesu. Voilà encore une autre jeune femme qui vient. Dale lenge mwana mwasi mosusu ye wana zoya. Merci Jésus. Matondi Yesu. Tu aimes tes enfants. Olingi solo bana nayo. Tu les aimes. Olingi bango. Ton amour s'est projeté sur eux. Bolingo nayo yango eyei epai na bango. Et vous qui êtes resté. Na yoyo tika. Mon frère, ma sœur. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali. Le temps dans lequel le temps que nous passons ici. Tangoyo tozali kolekisao. Sous la pluie. Na sena mbula. Il y a des gens qui sont dans les hôtels en train de commettre les péchés. Ezana batoyo bazali na ba hôtel bazo sala masumu. Mais toi Dieu t'a aimé. Kasi yo nzamba lingi yo. Et il t'a envoyé sous la pluie ici. Pe atindi yo. Le désir que tu as eu de venir sous la pluie là, c'est Dieu. L'amour de Dieu qui t'attire à lui. Alors sortez, venez. Venez dans la poitrine de Dieu. Yaka na tolo ya Nzambe. Pour avoir la vie éternelle. Voilà une autre jeune femme qui vient. Quel amour. L'amour de Dieu attire les pécheurs. L'amour de Dieu attire ses enfants. L'amour de Dieu n'attire pas les enfants de Satan. Non, l'amour de Dieu attire seulement ses enfants. S'il y en avait encore un qui est un enfant de Dieu. Ce qui m'a dit, là derrière, là dans le hangar, il sortirait, il courirait et il viendrait ici. Seigneur Jésus, reçois la gloire et la louange. Mon frère, avant que le passé Chibango ne prie, c'est toi. Je te parle à toi. Tu avais été baptisé depuis longtemps. Mais où est la foi parfaite? Tu te plains chaque jour. Comme si tu n'avais pas Dieu. Alors que Dieu est à côté de toi. Tu as un problème ce matin. Levez seulement la main. Tombola kaka loboko na yo. Levez la main. Tombola loboko na yo. Dieu répondra. Soko tombola loboko na yo, Nzambe akoyanola yo. Dieu est ici. Nzambe azali awa. Je ne vous cache pas. Na bombeli bino. Il est à côté de toi. Pembeni na yo wana Nzambe azali. Il connaît tes problèmes. Nzambe yebi makambu na yo. Il connaît mes problèmes. Ayebi pe makambu. Moi aussi je lève ma main. Atanga ina tombola yo yangalo. J'ai besoin du secours du ciel. Nazali na posa ete lola e ya kosunga ngai. Prions le Seigneur. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Lukumu Kembo Pema Sanzoli, et que ne paina yo mouzal sinalola mpenanse. Yo yo tika ki kembo na yo, o tiki lukumu na yo, o misaleli nzoto, o ye kolo, na kati na bolingo na yo mounene lokolo to otiko yo kalatongo, o ye ko misala ndeko na pene na biso, o le ti pasi nyos. Ekolo, pona ko témoigner bolingo na yo. Oye bakinyo se kokoma. Ozola ki la capacité ya ko bebisa yango pe ko zunga. Mais o mi sacrifier Seigneur. Mukolo wana na Gethsemane. Keni ezala ki liboso na yo. O moni manso ma ye masengela ki bakomela yo. Mais o lobaki mukano na ngai te kasi mukano na yo. Ekolo. Obetami, osekami, ozokisami zambe nangai. Kino balunguli yo bilamba,
okufina ikulu su lokola mutu mabe zukande biso batu mabe totikalaki yoyo za kisembo kamati esika na biso bolingo monene nini olakisaki nzambe tokoyina makolo na yo tokoyina makolo na yo nasengi encore une fois limbisa bana na yo limbisa bikweli na bango mokonzi liloba monene boyebibi tozali komimonisa lokola tondimi me bolingo na yo kati na biso ezangi tozali komimonisa lokola tozali kolanda yo me tozali kosalela liloba na yo te nkolo encore une fois ngolu na yo efuluka likolo na bana na yo nkolo yao na bibele c'est toi le secours qui ne manque jamais dans des temps difficiles bana na yo basemboli maboko na bango ezali signe ya kosenga secours si bana loboko moko na moko likambo ezali ata ngai mpe loboko na ngai ezali likolo mokonzi nzambe loboko na yo na nguya esimba moko na moko otambwisa moko na moko mokonzi wapi bana na yo bakweyaki sunga bango ete cette fois-ci seigneur bakoka kokatisa na kobanga te nkolo lungula somo kati na bana na yo lungula somo kati na bana na yo mpo ete okufaki mbala moko mpo na libela mpe olobaki ete ozali na elonga elonga wana ezali mpo na yo te elonga wana ezali mpo na babulami na yo lokola elonga ezali mokonzi na kombo ya kristo yesu somo nyonso ebima likolo na bana na yo nzambe na bibele pesa biso makoki na kotambola likolo na nguya nyonso na munguna mpo ete opesaki biso yango yo nde olobaki oyo bokokanga na se ekokangama na likolo oyo bokofungola na se ekofungulama na likolo nzambe pesa biso foi parfaite oyo ekopesa biso makoki na kotambola tete haute na koyeba ete mobali na libala alongaki une fois pour toute mpo na biso merci mpona liloba na yo mokonzi liloba na yo eboti bana baoyo bazali liboso na biso awa bango baye mpona kotemoigne amour na bango envers toi zuka nde yo nde olakisaki yango liboso seigneur dieu na ntango bakokende na mai mpona kokonfirme engagement na bango tikete bakamata desidio ekoki mpona kotambola lima kokokana na liloba na yo mpe kosala mokano na yo bapatela bolingo oyo yo olakisaki mpe opesaki biso na yango na ntina ete tozala uni elongo moko na yo mokonzi merci seigneur tout puissant na ye na mumbu na yo apumone seigneur dieu oyo asololi euti na ye te euti na kiti na ngolu na yo yango tolobi merci parce que osengelaki kosolola bongo mpo osove biso tiki ye na maboko na yo pambula ye na koleka sunga ye na etumba monene azali na yango tala mokumba oyo ezali nsima na ye mokonzi na ye moko akolonga te mais avec toi elonga ezali pesa ye nguya na kotelema ngui kati na liloba na yo pesa ye mayele mpe bwanya na ntina kokamba peuple na yo pambula ministere na ye sunga ye na ntango nyonso akobela na epai na yo omonisa monene na yo epai na ye libota na ye epambulama lingumba na ye epambulama bakolaborateure na ye bapambulama nakoleka seigneur kuna touti ezali mosika epai tokokende komi pene tika biso te tata na ntina ete tokoka kobungisa espoir na biso sunga biso seigneur ete mokolo wana tokitisa bibundeli na biso na makolo na yo liloba oyo touti koyoka ezwa esika kati na motema na moko na moko etikala awa te mokonzi moko na moko akende na yango amedite yango jour e nuit atala soki réellement azali na foi parfaite merci seigneur babeli bazali awa liloba na yo eyebisi biso ete kisi na biso nde liloba oyo bato basili koyoka yango na autorité na liloba yo opesi biso sikawa yo diable
okangisi bana na nzambe tango na ba malade ozali kolinga kobimba te mais toyebi ete bapesa ki biso autorité ya kobenga na yo sika sikawa santele nardone yo na kombo la Christo Yesu libéré bana na nzambe zambe moko na boko oyandimi sika sikawa abika na kombo la Christo Yesu. La tango ba kuzunga makozi batatu la kombo na yo. Na toni yo pe na komisio. Na tiki yo sela maboko na yo. Na kundi meto yo kibiso pwete to sengi na kombo le kiba kombo nyosu. Kombo la Christo Yesu molongi na Golgotha. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Bobete la nkolo Yesu maboko. Dieu a appelé ses enfants par son amour. Nzambe na nzela na bolingo na ye abiangi bana na ye. Amen. Donnez-leur de la place de toute façon. Sikoyo bopesa bango bisika bafanda. Les diacres vont donner les paniers d'offrande avant que je bénisse le mariage. Liboso na pambola libala. Nous voulons donner les paniers d'offrandes avant que je puisse bénir le mariage. Et...